Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry ce soir. Gros programme, hein. Je pense qu'on va se mettre en vitesse 3 parce qu'il y a pas mal de choses. Enfin non, il n'y a pas grand chose à faire en fait à l'heure actuelle dans le Not So Berry. Je vais mettre sur, en vitesse 1 puisqu'en fait il me reste je crois que deux objectifs qui sont la carrière niveau 10 et l'aspiration. Sauf que du coup, il faut plus de temps que de compétences. Donc on va accélérer, on va jouer beaucoup en x3 je pense aujourd'hui. Parce que ça va faire long en fait. L'aspiration, on a quasiment tout de fait. Il reste plus que avoir un enfant avec 3 traits de qualité personnel positif. C'est déjà le cas avec Snow, il me semble. Sauf que il faut qu'il les valide. Donc s'il est valide, c'est en tant que jeune adulte. Et pour l'instant, il est enfant. Et en plus de ça, le pire. Attendez, c'est où déjà? Mais c'est là. Il ne grandit que dans 6 jours. Pour être seulement adolescent. On la sent la douille qui va être longue à venir ou comment ça se passe? Et au niveau boulot, écoutez, elle est niveau 7. Donc on n'est pas très très loin. Mais c'est long. Il nous faut plus de temps, time, comme dirait Squeezie, mais là, j'ai pas envie de passer tout mon time. Donc, vitesse 3, c'est parti. D'ailleurs, moi, je les laisse gérer leur life. Alors, non, parce que nos filles ont été relookées. Nos petites fillettes, c'est laquelle, celle-là? C'est Mozza, avec la frange, c'est Mozza. Enfin, elles ont toutes les deux une frange, tu me diras. Mais elle a son caca sur la tête, et l'autre, elle a pas son caca sur la tête. Mozza, elle a pas de caca. Feta, elle a un caca. Que je retienne parce que elles ont pas du tout la même tête, mais voilà, on les a relookées, tout s'est bien passé. La poupette est très mignonne. C'est laquelle déjà? C'est Mozza. Oui, c'est Mozza qui était plus mignonne que l'autre, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle est partie faire du yoga. Ah ouais, moi aussi il faut que je fasse du yoga pour faire. Oh, hein, j'ai perdu 8,5 grammes. Fais du yoga, je pense que t'en as besoin vu que t'es toute stressée là. Pourquoi t'as besoin? Ah, tu dois déjà aller au boulot, bah vas-y. Mais elle commence tôt en fait. Non, elle commence à 13h, mais il est 6h du... Non mais oui, vas-y, dégage. Vas-y, va bosser, va choper une promotion. Suce les boules du patron s'il faut. Oh, trop mignon! Ils font des petites chamailleries, hein. C'est trop chouchoupette. Alors, t'as pas fait tes devoirs, toi? Bah, tu vas les faire. Ouais, c'est bien, tu fais le ménage, mais tu vas faire tes devoirs. Merde, ajouter aux favoris. Elle avait déjà fait ses devoirs. Les cours vont commencer. Ouais, non, mais moi, vitesse 3. Alors, j'ai pas l'habitude de faire... j'ai le temps de rien faire. Parce que j'aime bien profiter de mon jeu. Ah, tant pis, hein. Qu'est-ce qu'elle... Ah, elle fait ce devoir, mais qu'elle est mignonne. Allez, Mozza. Eh, c'est cool, la vitesse 3. T'attends de rien de suivre, mais c'est génial. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Tu passes ta vie en... c'est qui? C'est Feta. On va faire l'empathie. L'empathie, c'est un peu plus long. Tu vas nous réparer. Ouais, attendez. 250 simflous, ça reste 250 simflous. Hein? Vous êtes à 250 €. Alors, nous, on est à 250 simflous. C'est comme ça. C'est la vie. Et elle ose râler parce que c'est sale. Alors que c'est son taf de faire le ménage. Tout va très bien. Tu vas à frittata aux épinards. C'est pas mal, ça. Oh, j'ai des... Non, on va pas parler de bouffe. Parce qu'on m'a engueulé dans les... Dans les rediffs, que je parlais toujours de bouffe, donc on va arrêter de parler de bouffe. Allez! Faites ton caca. Objectif du live, avoir un ado, au moins, ouais. Au moins. Viens de dépenser ta thune, non, mais ça va pas, non? Mais YouTube, il a pas envie de venir, c'est tout. Peut-être que les YouTube. La partie YouTube préfère la version vidéo que les lives, je comprends. Hein. Snow a rencontré Marc. Tant mieux pour lui. Et toi, t'as rencontré qui? Ok. Ah bah voilà, super, on va bosser.
La, 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 la. Alors, tu pars travailler, tu vas manger au resto. Alors, resto en mode 1. Ok, écrire des critiques. Ouais, fais pas trop ça. Alors, demande d'avis, une évaluation que sévère à un collègue. Comment doit-elle lui annoncer? Est-ce qu'elle est directe et honnête ou est-ce qu'elle ajoute des compliments? Elle est beau, ouais. Mozza est plus belle, ouais, c'est ça. J'ai mon appel qui se met sur mon ordinateur. Grand Neige? Encore? Non, je sais que c'est pas le tien qui s'appelle Grand Neige. J'avais comment ton lapin? Salut Guita, comment tu vas? Qui ça encore? En vrai, ça m'est déjà arrivé d'avoir des idées de recettes grâce à Sims. Ah bah, tu m'étonnes. Marcel, il est tout mignon. Noisette! Mais après, on va dire que je parle de bouffe. Ben rien. Le petit lapin, il s'appelle Noisette. C'est mignon. Tu lui ferais un bisou? Parce que moi, j'aime les animaux. C'est juste les enfants que j'aime pas. Alors, direct et honnête, 2 et 1 pour ajouter des compliments. Faut mettre les formes. Non, mais je suis d'accord, mais Burger King. C'était ce midi, ça. Chut, j'ai pas le droit de parler de manger. C'est cruel. Allez, on est direct et honnête, c'est comme ça. On est des peaux de vache, écoutez. Gain de performance moyen. Mais c'est bien ça. Ouais, ça fait rien du tout. Ouais. Oh purée. Il y a une invasion de gamins. J'ai rien le temps de voir, moi. Allez, pendant 1 heure ou 2, je vous laisse faire votre vie. Ah mon Dieu, projet scolaire. Aïe, 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 aïe. Punaise, toutes les notifs. Vous avez 4 gosses, vous en sortez plus. Hein. Heureusement que les 7 bambins, je les ai pas continués aux enfants parfaits pour une seconde fois. Hein, parce que... Oh, MG, hein! Si bien. Tu sais quoi, tu vas pisser. Tu vas faire tes devoirs. Réussir haut la main. Toi! Eh oui, t'as fait. Tu vas faire ton projet scolaire! Projet scolaire! Merde. Mais non. Commencez à travailler. Hop, toi aussi. Hop. Et toi aussi. Ah, purée! Soigneusement. Toi, tu vas aider ton fils. Et toi, tu vas aider ta fille. Quand elle, ce sera... Voilà, là. Attends, attends. Toi, tu vas demander à ce machin-là, je sais pas qui. Voilà, demander d'aide pour le projet. Comme ça, ils sont 2 sur chaque projet. Et ça, c'est parfait. Mais lui, ah si, il en a eu un aussi, j'avais pas capté. Bah, tu vas aider ton frère, allez hop. Allez hop. Allez vite, hein. Regardez, on a déjà fait une journée en 8 minutes. Voilà, c'est merveilleux. Allez, super. Tu aides pour le projet. Oh là, ah oui, il va bosser lui. J'avais oublié son look. J'avais oublié son look. Tu vas aider pour le projet aussi. Voilà, ça va plus vite. Hop. Ouais, youhou! Bravo Moza! Allez, tu vas mettre dans l'inventaire. Toi aussi, t'as fini. Super. Vous mettez tous dans l'inventaire. Vous allez tous bouffer. Et vous allez tous vous la fermer. Purée, mais c'est quoi ces cochons là? Maman, servir le dîner. Fish and chips. Oh oui. Est-ce que Kiri aime le fitness? Le temps est 10 secondes de décalage avec le chat. Donc le temps qu'eux ils reçoivent l'information et qu'ils se disent est-ce que même hein, qu'ils répondent que moi je lis et que Jacques. Alors oui. Oui, il aime, oui. Oui. Bon bah ça a l'air d'être un full oui, il aime le fitness, notre petit. Ou on s'en fout. Il est adopté. Ah, oh mon soldat, t'es la pire. Allez, il aime le fitness. J'osais pas le dire, tu vois, une fois de plus. Je me suis dit, après, on va encore. Mais je t'ai demandé de faire à bouffer, en fait, connasse. Pardon. Ah, saloperie de gosse. C'est pas possible. Ah, quel enfer, ces gamins. Quel enfer. Les pays factures. Oh, on va passer presque en dessous du million, mais quelle honte. Quelle honte. Par contre, meuf, tu pouvais aussi te laver en fait. Ouais, bah non, en fait. Mais allez bouffer, vous êtes con, hein.
Mais ils savent pas se gérer, ces gamins. Toi, mange ça. Et voilà. Oh, j'ai vu maman toute nue. Ah oui, mais écoute, si vous êtes con, vous savez pas vous gérer. Allez, c'est bon. Tu viens ici. Tu m'énerves. Ah là 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 là. Na, viens là. Une douche. Toi, je m'en fous, fais ta vie. Toi. Oui, tu dors si tu veux. Mais va falloir que tu ailles pisser après. Mais va pisser, toi, c'est en face. T'aurais pu pisser sous la douche aussi, c'était le même prix, hein. Aïe, 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 je vous jure. Finalement, la fois 3, ça me va pas, moi. Toi, après, t'iras pisser. Vas-y, hop, douche. Dodo. Toi, dodo. Toi, dodo. Nucci Crane! Toi, tu pues, toi. C'est... Laisse tomber. Toi, c'est l'enfer sur terre. Hein. Tu schlingues du boudin. Oh, la vache est dégueulasse. C'est quoi cette gamine? Hé! Hey, plus vite que ça. 3h du matin. La jeunesse, bravo. Oh, Nightbot qui floude. Mais je t'ai... Non! Je t'ai dit douche. Ils écoutent absolument pas ce que je leur dis, saloperie. Ah! C'est formidable, la vie! Ok. Une journée de fête. 11 minutes, ça va. Sur 2 heures, ça fait comme une journée. Ça fait combien de temps que je joue aux Sims? Aux Sims tout court ou aux Sims 4? Eh non. Plus sa gamine, elle a même pas tiré la chasse, cette grosse dégueulasse. Kiri, Kiri, Kiri! Alors, pipi. Voilà, tu te lèves, tu pisses. Tu te lèves, tu manges. Tu te lèves, tu manges. Tu manges. Tu te lèves, tu pas. Voilà. Ça se gère. Ça se gère. Surtout que j'ai demandé... ouais. Ok. Incroyable. Incroyable du cul. Bon, va bosser, toi. Sois utile à la société, Feta. Voilà. Très bien. Ouais. Bravo, il a fini les journées scolaires. Allez, va faire crac-crac, toi. Les trucs sans contexte. Allez, hop, paf. À 9h30 du matin, une ourvie comme ça qui passe. Au Sims tout court, en vrai, je sais plus, mais j'ai joué à tous les opus. Le bavoir rose. Snow est assis à côté d'un nouvel élève lorsque le déjeuner est aperçu. Lors du déjeuner et aperçoit quelque chose de rose dans son sac à déjeuner. Est-ce un bavoir? L'enfant sourit nerveusement et prétend qu'il a eu le déjeuner de sa petite sœur par erreur. C'est alors que le bavoir tombe sur un endroit où tout le monde peut le voir. Snow doit-il le ramasser ou l'ignorer? Est-ce qu'il le ramasse ou est-ce qu'il l'ignore? Est-ce qu'il est sympa ou est-ce qu'il est... Parce que ramasser c'est sympa mais... voilà. Et l'ignorer... voilà. C'est vous qui décidez, c'est maintenant, c'est ramasser ou l'ignorer, c'est tout de suite dans le chat. C'est maintenant. Droit de vie ou de mort sur Snow. En plein crac-crac. On ignore, on ramasse. Ça fait 3 ignore, 1 ramasse. 5 ignore, 1 ramasse. Je pense que nous allons ignorer. Je pense que du coup, ça se passe et il se passera rien. Deux ramasses. Dans trois. Dans deux. Dans un. Dans zéro. C'est ignoré. Qui l'emporte? Merci à vous. Le déjeuner est presque terminé parce que la brute de la classe remarquait le bavoir par terre et a hâte de trouver le gros bébé qui l'a fait tomber. Mais le nouvel élève ne dit rien et Snow non plus. C'est peut-être le début d'une nouvelle amitié. Mais c'est super! Il y a visiblement Vlad qui est coincé dans le lit. Il s'est coincé tout seul.
Il s'est fait une torsion des coucougnettes. Parce que oui, ça existe. Et voilà. Ah, mais elle est dedans aussi! Merde! Hop là! Oh là là, oh là là, je suis excitée comme une puce! C'est beau, hein, la vie, hein, c'est comme ça. Tu commences à 13h, toi, c'est ça le taf? Ouais, c'est bien, elle a augmenté quand même. Tu vas aller monter sur le vélo, tu vas te balader. Tu vas te promener sur le vélo, trajet pittoresque. J'ai pas pris un vélo pour air, hein, donc tu prends le vélo, tu te balades. Voilà. Attends, on arrive. Voilà. Oh, que les mimes! Le petit vélo. C'est Céleste et son vélo. Avec son petit panier rempli de jolies fleurs qui sentent bon. C'est Céleste et son vélo magique. Céleste, elle aime les grosses. Céleste, je m'inspire pas du tout de Jacqueline. Et son scooter, Jacqueline. Elle n'a jamais peur. On va rouler sur les gens pas sympas. Si seulement tu nous voyais pas. Ah là là, c'est beau. Je sais pas où elle va, mais elle y va. Peut-être aller bosser, non? Va bosser. Voilà. Fallait qu'elle soit là pour aller au bosser. Là, elle travaille là, ici. On va avoir pas le temps de dire ouf que les gamins ils vont rentrer. Une invasion de petits nains blancs là. Ouais. Voilà. Voilà. Et faites votre vie pendant une heure. Une heure et demie. Après c'est des devoirs. Ah là là, l'empathie. Ah là là, l'empathie. Parce que contre des émotions, quand ils seront ados, ils vont courir, donc ça devrait être bon. Lui, toi, t'as visiblement un problème, hein. Tu sais... Bah, il... Qui c'est qui est en train de se toucher dans le lit? Responsabilité, contrôler, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Mais va pisser, en fait, Jacqueline. Attendez, t'as pas de buisson. Ah, j'ai qu'un toilette, hein. D'où tu... Bah non, en fait, non. Tu... Ouais, tu vas prendre une douche plutôt. Oh là là, mais c'est... Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gamins? Ils veulent tous aller se laver en même temps, bande de cracra. Ouais, voilà, ça y est, ils se sont vus les zizi, ça va, plus rien ne va. Plus rien ne fonctionne. Et t'as encore un... Ah non, il l'a pas fait, c'est vrai. J'allais dire, il y a encore un projet scolaire. Bon, c'est qui? C'est Mozza. Mozza, tu sors du bain? Ton frère qui veut pisser. Aïe, 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 aïe. Mozza, tu fais tes devoirs. Je m'en fiche, tu fais tes devoirs. Toi, t'as plus tes devoirs, ils sont là, tes devoirs. Tu vas faire tes devoirs. Snow, après, tu fais tes devoirs. Et toi, tu fais déjà tes devoirs. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'on nous a ramené aujourd'hui? Un petit rouquin aux yeux bleus, c'est tellement rare, il faut le souligner. Apparemment, il est... Heureux de vivre, hein, comme 90% des enfants du jeu. Ça fait un moment qu'on a affaire à des enfants dépressifs maintenant. Florent, mama. Mama, mia. Et toi, je sais pas... Balade-toi. Qu'est-ce que c'est encore? Bravo Céleste, je ne m'y attendais pas. Et c'est la promotion niveau 8 pour Céleste, promue au poste épicurienne experte. Elle gagnera désormais 66, une fois de plus par heure, soit 230$ au total. Oh. EMG, j'ai eu peur, ça s'est arrêté, j'ai cru que ça plantait. Elle a également reçu en bonus 1380 simflouz et l'interaction améliorée le plat. J'enregistre avant de tout perdre. Oh, de ouf, je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Nous sommes donc au niveau 8. Il faut qu'on atteigne le niveau 7 de la compétence écriture. Nous sommes au niveau 6 seulement. C'est pas un problème.
on va s'y mettre tout de suite. Évidemment, tout de suite, bien sûr, tu vas écrire un article et tu vas ensuite t'entraîner à écrire. Voilà! Qu'est-ce que c'est? Mais toi, tu te casses en fait, on te connaît pas. Et ben voilà, nous avons déjà le niveau 7, c'est incroyable. Je suis formidable, je sais absolument terriblement bien jouer aux Sims. Évidemment, je suis la grande prêtresse des Sims avec précurseuse de challenge, évidemment. C'est moi. C'est moi. Et merci pour elle, les enfants. Je m'attendais pas, hein. Pour moi, il y avait encore plusieurs jours avant la promotion. En 2 jours, on l'a chopé, quoi. Alors qu'on était en haut de la première case verte. C'était une bonne compétence, mais pas non plus exceptionnelle, quoi. Tu peux épicer. Qu'est-ce que c'est que ces gamins? Ils savent pas se gérer. Au secours. Ah, il faut à bouffer. Non, alors toi, tu vas faire à manger, en fait, parce que repas gastronomique. Tempura de légumes. Allez, parce que j'ai l'impression que... J'ai dit non pour le bouquin. Qu'est-ce que tu fais? Allez, dépêche-toi. Les gamins, ils sont laissés à eux-mêmes. Là, ils savent plus quoi faire de leur vie. On leur a fait faire leur devoir. Et ben, ils errent comme des âmes en peine. Ils ne savent plus. Ils sont tout buggés. Regardez-moi ça. Ok, tu peux aller pisser, toi. Chacun son tour. Snow, c'est pas le temps de dormir. Aïe, 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 aïe. Quel enfer. Elle va bien. Elle a faim. Et c'est les garçons qui savent pas se gérer, en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi tu dors? Tu vas aller bosser après, Jean-Claude. Appel à table. À table. Et faire l'éloge du repas. Bon, c'est moi qui l'ai cuisiné, tabarnak. Ça me donne pas du tout envie. Je vais pas vous cacher que la bouffe qu'elle a fait là, ça me fait pas rêver du tout. Non, un perso, c'est pas attractif. Est-ce que vous, ça vous semble attractif? Vous connaissez? C'est quoi déjà? Tempura aux légumes. Je suis pas sûre de ce que c'est, mais j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tu cours? Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Tu vas écrire un livre fantasy, tiens, ça va nous rapporter de la thune. La maîtresse des corbeaux, ouais, vas-y. Oh, l'esprit de pomme-pomme est en train de disparaître. Je n'ai toujours pas fait les portraits, d'ailleurs. Alors, manière, empathie, résolution de conflit. Manière, diminue l'empathie. Et on va augmenter l'empathie. C'est pas grave, les manières, ça revient. C'est comme Clo-Clo le chantait. Là, ça s'en va, mais après, ça revient. Ça fait tout petit rien. Vous inquiétez pas. Non, je me suis trompée. Mais lui, il sait pas, hein. Qu'est-ce que... T'étais où quand on a appelé à table, en fait, mec? Il sait pas, il est complètement paumé dans la nature. Il faut manger, tout ça. Il comprend pas c'est quoi votre langue. J'exagère. Je suis une mauvaise. Sachez-le. Allez hop, vas-y, va te coucher. Et 132 simflouz pour Vlad Korez qui est visiblement manque de confiance en lui. Pourquoi il faut que tu ailles dans la salle de bain, gars? Oh, Tindiniwa, tu vas t'excuser auprès de ta femme, je sais pas pourquoi, mais excuse-toi. Excuse-moi d'être un homme, chérie, et d'exister. Vous savez plus, vous parlez plus dans le chat. Je dis trop de conneries, c'est ça? Hein? Vous ne m'aimez plus, je comprends. Moi non plus, je suis pas très fan. Normal. Elle va me dire, ben non, on écoute, ben non, je fais ça, ben non, j'ai mis les gosses à dormir. Ouais, pourtant, au-dessus, ils sont pas encore couchés. Ouais,
C'est pas la même vie, hein. Je vais sauver la bouffe. Hop, hey, elle a déjà fini un livre. Merveilleux. Avant le dodo, tu vas aller poster ton bouquin. Vendre à un éditeur, la maîtresse des corbeaux. Gitaïla. Ah non ! Papa, il se réveillera pour le réparer, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh oui, le dernier livre de le CS a été nominé pour une récompense. Elle est à la prochaine cérémonie de récompense dimanche à 19h. Faudra s'en souvenir, les enfants, je compte sur vous, hein, parce que... Pfiouf, dimanche à 19h... Hop, tu vas réparer. Oh, c'est le jour de la loterie! On est presque pauvres, là. Il faudrait qu'on... Qu'on achète un ticket. Oui, on est presque pauvres. Regardez, il nous reste que 13103. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On écoute le doux son de ta voix. Je vais me mettre à hurler, vous allez être contents. Vous allez regretter. Tu peux manger des restes. Toi aussi. Ouais, va jouer aussi, c'est bien. Oh putain. Moi je te dis, elle attendait en dessous de sa couverture là. Avec ses deux petits yeux qui luisaient dans le noir. Et elle dit, elle veut pas que je se pêche. Attends, je vais attendre. Puis, elle a agi. Telle une araignée attrapant sa proie avant de la mordre et de la liquéfier de l'intérieur. C'est fait. Là, elle se fourlèche les babines en se caressant le ventre en disant je l'ai fait. Salut, mon petit saumon, comment vas-tu? Je mange mon burger. Oh oui, bon appétit. Au-dessus, ils font la fête tous les soirs, malheureusement. Comment vas-tu, mon petit saumon? Salut, Nadine, comment tu vas? J'ai jamais compris où était sa récompense pour les bouquins. C'est à Studio BTP à Del Sol Valley, avec Heure de Gloire. C'est les Topi Sims, je crois, ça s'appelle. C'est où c'est à dimanche, c'est ça. Regarde. Topi Sims, événement normal de 18h à 23h à Studio BTP, n'importe quoi. PBP. Oh putain. Ouais, c'est difficile, hein. C'est des lettres difficiles, hein. Comme eux-mêmes, hein. Moi, je suis sortie de A et B et C. Moi, je sais plus. Hein. C'est trop compliqué. J'agis dans l'ombre. Je ne remercie même plus. C'est fini. Ça va sur Mono. Eh ben, écoute, on avance. Hein. En deux jours, on a chopé une promo déjà. Elle est niveau 8 maintenant. De la critique gastronomique. Ah, prochaine promotion, pire cauchemar des cuisines. Oh, elle va se transformer en Etchebest. Vas-y, on va la rendre chauve exprès. Chauve, pas chauvre. Putain, je sais plus parler, moi. Oh, c'est l'angoisse aujourd'hui, je sais pas parler. Et aujourd'hui, c'est jour de loterie. Mais on peut pas acheter des tickets pour les enfants. C'est trop nul. Comment on va faire pour gagner de l'argent? Hein? Comme eux-mêmes? Nous, on est pauvres, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Hé, prends un ticket de loterie. Peut-être que la chance nous sourira. Céleste, elle va aller bosser. Mais arrête, t'as déjà bouffé, toi! Gargantua, là. Va courir. Tu feras les pets, panard. Tu vas servir le... Alors, non. Tu vas refaire de la cuisine gastronomique, parce qu'il me semble qu'il fallait... Oh, t'es maquillée au son. Est-ce qu'il fallait en travailler ça, je crois, pour la carrière, je sais plus. You're welcome. Alors, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, tu vois, je pète comme ça. Alors, manière et empathie, contrôle des émotions et empathie, empathie et manière. Ne punissez pas l'amour. Non, ne punissez pas l'amour, puisque c'est ça qui nous garde. Ah bah, putain, c'est la même chose. The same. Je sais, mais je préfère augmenter l'empathie parce que les manières, c'est assez facile à avoir.
Donc, comme eux-mêmes. Merde. Je clique plus vite que mon ombre. Que mon l'ombre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, hop. Elle travaille dur. Elle serait pas enceinte, notre femme de ménage? J'ai cru la voir faire... Vous savez, comme toutes les femmes enceintes. Si vous voyez une femme qui a la gerbe dans la vie, vous savez qu'elle est enceinte 100%. Écrire des critiques. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, influencer manière ou contrôler les émotions? C'est qui? C'est Kiri? Oh, on s'en fout. Salut, mamie Oda, comment vas-tu? Ils ont pas déjà gagné à la loterie ou c'était le Legacy? C'est eux, c'est dans les deux. J'ai gagné à genre à 2 semaines d'intervalle, un truc comme ça. Ça va plus soir, non mais ça va jamais. Ça va jamais. Je connais notre Sobéry avec Pepper refaite qui a eu une petite fille avec Iowa. Oh la coquinette! J'espère que cette petite fille sera très belle. Est-ce qu'elle fait des heures sup ou est-ce qu'elle s'occupe d'une tâche secondaire? C'est vous qui me disiez. Dans le chat. Seconde de flottement. Petite boisson. Gingembre au citron vert. Qui fait à maman fait du bien hein, à tout ce qu'il y a là-dedans. Donc petite boisson. Mais ça remplace le coca. Je dis plus rien moi. Alors je posterai une photo sur Instagram. D'accord, pas de soucis. Ouais, tu me l'enverras. Alors, heure sup, tâche secondaire, heure sup, secondaire, heure sup, secondaire, heure sup, punaise, à une voix près. Enfin, je veux dire, deux voix près. Nous sommes en heure sup. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous adjugez vendu, heure sup, une fois. Heure sup, deux fois. Heure sup, trois fois. J'ai vendu, c'est vendu pour heure sup. Merci mamie Oda. Et un gros gain de performance. Ça ne fait absolument rien. Ça ne fait absolument rien. Et d'accord. Ok, let's go. On va manger au resto. Oupsie. Vlad a vieilli, j'ai oublié que c'était son anniversaire alors que j'ai regardé avant le début du live. Les pieds dans l'eau, oh bah ça va. Hein. Il y a pire comme anniversaire, hein, moi j'ai envie de te dire. Va nager. Va nager. Je t'en prie, nage, fais-toi plaisir. Nage, cours, fais ce que tu veux, mais dépense-toi la nouille. Et bon anniversaire à Vlad, en retard, hein, bien sûr. Salut Coco, comment vas-tu? Bah en fait, le temps passe trop vite parce qu'on est en vitesse 3. Du coup, voilà, j'ai oublié. Ah oui, d'habitude, on est... Ah tiens, vas-y, prends un Théo, super. Quel prénom, incroyable. Il a l'air d'une vieille grenouille abandonnée. Pardon, j'ai mes petits délires à moi. Hey, 1380 simflous pour Céleste. Pas de promotion? Tu me déçois. Comment vont les enfants? Oh, un enfant énervé. J'allais dire ça change, mais... Ben oui, ça change, hein, parce que d'habitude, elles sont tristes. Alors, tu vas bouffer. Tu sais pas où tu es. T'es où, Snow? Ah, t'es dans le bain. Va regarder la télé. Voilà. Toi, tu fais quoi de ta vie? Va regarder la télé également. Oh, et elle pue sa race. Tu vas doucher. Tu vas regarder la chaîne actuelle et tu mangeras. Allez, hop! Bougez-vous le fion. Voilà. Manger. Prendre des restes. Et elle va se coucher, n'importe quoi. Toi aussi, tu vas prendre des restes. Mais comme ils vont pas aller dans le bon sens tous en même temps, ça, ils vont pas être contents.
Ah là là, il y a quelqu'un, je peux plus aller manger, c'est incroyable ma vie, hein. Snow. Snow, snow, snow. Ouais, ouais, va manger des makis au saumon. Quoi? Non, on n'a pas de temps, tabarnak. On a une carrière, nous, à gérer. Oh, c'est bon, toi. Rancard, c'est bon. Pas que ça a foutre. Hein. Tu nous as eu une fois, pas deux. Hein. C'est bientôt l'anniversaire de Céleste. Et oui, Céleste va devenir une adulte. On va quand même lui souhaiter son anniversaire. C'est notre héritière. Voilà, nickel. Bon, les gamins, là, c'est l'heure des devoirs. Allez, hop. Réussir haut la main. Tant que c'est pas haut les pieds. Ah, c'est bien, ils sont intelligents, nos gosses, en plus. Ils sont pas tous finis comme il faut, mais ils sont intelligents. Et lui? Il est toujours en train de faire la grenouille. Qu'il est con. Oula! Oh, je me suis demandé pourquoi il était en l'air. Il m'a fait peur avec son scooter. Son scooter des mers, attention. Attention, le scooter! Il fait pas le ménage ainsi, donc il a pas le droit qu'on lui fête. C'est vrai, on a une femme de ménage qui le fait mieux que lui. Tiens, tu vas passer la spie, ça te fera les pieds. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, aide ta fille peut-être pour les devoirs, parce que les autres, ils savent déjà bien faire leurs devoirs, les garçons, donc... Voilà, il commence dans une heure. Il va faire sa vie en attendant. Ouais, il a l'air un peu con. Il n'a pas l'air de savoir comment se gérer. Il est où? Pff, oh mais... Avec son scooter. Bah, il a même pas le temps de rentrer chez lui. Il a mis 10 ans à bugger avec le scooter des mères. Tout va bien. Finger zips, finger pass it on. 22h. C'est une heure pour se coucher, 22h, pensez, pour les enfants? Ah bah, et donc, toi? Tu fais quoi, toi? Il faudrait que t'ailles au pipi aussi. Ouais. Hop, pipi. Eh, tout le monde se... Bah, toi, t'as un lit, toi, oh! Je sais que t'as adopté, mais quand même! Oh non, Snow, il est dégueulasse, il m'a lâché un de ces trucs, là. Oh, l'autre, il va derrière, c'est immonde! Prédiction? Prédiction. Jeune pensée. Je viens d'y penser. Prédiction. Ouais, ouais, pour le chat. Ouais, je sais, je vous lâche ça comme ça. J'ai combien de trucs de Twitch ouverts, moi? Prédit. Mais bon, vous avez de quoi sur la prédit? Petite prédit, une minute. Million or not million, that is the question. Est-ce qu'on va gagner au jour de loterie, là, à la loterie, ou pas? Puisque nous avons joué avec les grands, la madré et le padré. C'est vous qui choisissez. Tu vas lire un livre de motivation, tiens. Ouais, c'est top ça. Vous êtes super, c'est vrai ça. C'est vrai que vous êtes super. Alors je sais que ça va être compliqué, mais voilà. Ça a marché. Ouf. Ah ouais, il y en a qui ont pas lancé des 50 000 points là. Ah ouais. Alors si on gagne le million, il y en a 3 qui vont se régaler. Hein. Ah, les cassos, ça vous a manqué ou pas? Hein? 20h30, avec un peu de chance, ils se dégagent au lieu d'arriver. Alors, million, notre million, oui, la thune, vous êtes 3. Vous avez balancé 8500 points en tout. Et le plus gros pari, c'est 5000 points, c'est Marine. Marine, la thune. Dépense moins avec les subs, t'auras plus d'argent sur ton compte en banque. Crois-moi. Et nope, vous êtes 91%. Vous êtes 9 à avoir balancé des points. 82 000 en tout.
Et le plus gros pari, c'est 40 000. Et c'est Tandoori qui a balancé ses 40 000 points. Sait-on jamais. Vlad sur son scooter des mers, il fait le téméraire, c'est ça. Blizzard. Ah oui, c'est Blizzard. C'est très venteux, les Sims, effectivement. Allez, c'est parti. Parce que là, on est en vitesse 3, pas le temps de dire ouf, hein. Alors, déjà, il a gagné promu au poste, 132 simflous, ce n'est pas le million. Je vous le concède. Alors, tu vas pas faire ça parce que t'as plus besoin. Oh, bah voilà. Je savais bien qu'il allait devoir passer l'aspi. Alors, je réussite parce que nous avons acheté un ticket. Attention, pour l'instant, nous n'avons pas gagné. J'ai bien gagné deux fois, jamais 203. Eh, pourquoi pas hein. Moi, je gagne jamais. J'avais dit ça et j'ai gagné deux fois de suite à deux, trois semaines d'écart. Quoi. Donc en vrai, bonne app, pêche. Je crois que c'est vers 10h du matin qu'on le sait. Un truc comme ça. Alors déjà, toi tu pues, tu vas te doucher. Toi, putain. Allez, aux toilettes. Attends, toi tu pues, tu vas attendre un peu. Tu peux manger, ça va, tu peux manger. C'est juste de l'odeur, ça va. Elle va se pisser dessus, c'est quand même un peu plus compliqué pour vivre. Quand juste tu pues, ça peut attendre. Mais pisser, c'est un petit peu plus complexe. Oh là là, mon dieu. Oh, mon frère, il va dans le frigo, je peux pas y aller, tu sais, je veux dire... Ah. Tiens, on l'a déjà vu, elle. Ça. Non. J'ai dit prendre des restes. Ah, y a plus rien. Bah, tu bouffes ça. Toi, après, douche. Tac, tac. Ok, c'est bon. Bah, Jeannette. Tu dois préparer une cuisine gastronomique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un Cheesecake Sim City. Allez, vas-y, va pour le Cheesecake Sim City, pourquoi pas. Et merci beaucoup Nina Plante pour ton follow, bienvenue à toi. Ce soir on est sur notre Soberry, mais on est en mode... C'est bientôt anniversaire de Kiri. On est en mode archi vitesse parce que j'ai envie d'avancer et que... Il me reste que deux objectifs à faire pour cette génération. Et c'est surtout qu'il faut passer du temps. Avant de pouvoir les passer. C'est le niveau 10 de sa carrière. On est actuellement niveau 8. Donc ce serait bien. On l'obtiendra peut-être pas aujourd'hui. Mais plus on passe de jours, et bien mieux on avance. Et ensuite, c'est l'aspiration. Sauf que l'aspiration, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut qu'un enfant soit validé. Trait de caractère, trait de qualité personnelle positif. Ce qui est chose faite, mais il faut qu'il soit jeune adulte. Et comme tu peux voir, j'ai 4 enfants au stade enfant. Donc c'est long. Et Kiri va avoir son anniversaire dans 2 jours. Donc ça s'approche. Et merci beaucoup en tout cas et bienvenue à toi. Et oui, ça va bien Nina Plante, merci. Souvenir d'hier soir, c'est ça. Ah bah la femme de ménage va avoir du taf hein. Eh, y a du taf là par contre. Alors, toi Ginette, tu vas aller bosser. Tu peux aller aux toilettes. Non. Voilà, vas-y, fais ta vie. Lui, il bouffe, mais il bouffe tout le temps, de toute façon. Donc, on n'a pas encore eu les résultats. La prédiction et des sous. Million ! Le million ! Le million ! Le jeu, il m'entend, sachez-le. Souvenez-vous que le jeu m'entend. Le million ! Le million ! Les 2 millions ! Les 2 millions ! Oh. C'est nul. C'est honteux. Hérétique, au bûcher, c'est le bûcher. C'est Gabriel Garnier. Pff, un nom aussi banal, hein, je veux dire. Hein. Ça gagne des millions, quoi, alors que t'es même pas un minimum original, quoi, je veux dire. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Rends les points. Ah non, non,
bah, je vais vous répondre à votre prédit, mais je rends rien du tout. Oui, vous avez perdu, vous avez perdu. C'est comme ça. Hein. Choisir la réponse, c'était non. Bon, bah, vous avez pas gagné grand-chose, mais vous avez gagné. Désolée, Marine, tes 5000 points sont engloutis dans le néant. Comme ton argent. Qu'est-ce qu'ils nous font, eux ? Ils nous font un croisement d'aspirateurs. Vlad et son aspirateur. Il aime bien aspirer en même temps que la domestique. Ouais. Non, le mien, il est plus beau. Il est vert. On va vider sa maison. Perdu poil au cul. Oh là là. Oh, le niveau du chat. On pourrait épouser ses descendants pour avoir la thune. Vie de merde, ouais. C'est toi qui l'as choisi. Enfin, non, on choisit pas toujours sa vie. On peut choisir certains aspects. C'est possible, mais en vrai, bof, quoi. Ah, elle a changé d'horaire ou c'est moi là, parce que je viens... Ah oui, elle commence à 10h maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, promotion ou pas? Promotion canapé, peut-être? On peut coucher avec le patron, ça peut aider? Ils l'ont pas mis, ça, dans les Sims. On peut pas coucher avec le patron. Enfin, si, sauf que je suis pas sûre que ça t'apporte une vraie... une vraie promo derrière, quoi. Arrête de bouffer! Il me saoule, lui, je vous jure, hein. Bah, va parler au dauphin, j'en sais rien, moi. C'est où qu'il y a des trucs, là? Tu peux pas appeler un dauphin, toi, ici? Appeler un dauphin. Ah, bah, il doit nager. Bah, viens ici, va, viens nager. Bah, dis donc, ils sont déjà rentrés, les gamins? C'est pas possible, ça. Appeler un dauphin! Arrête d'aller... Je t'ai pas demandé de grimper dessus. Voilà, regarde, parler à dauphin! Parler à dauphin! Éclabousser dauphin méchamment! Bah non, tu as petit poisson et parler à dauphin! Hein, quoi, 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 quoi! Au moins, c'est propre. Ce sera un jeu interdit au moins de 18 ans, couché avec le patron. Il y a que le méchantiste. Sous les combles, bien sûr. Ah, Béguenet! Comment vont ces gamins? Bah, ils vont tous bien, sauf elle. Et toi, tu vas bouffer. Le cheesecake Sim City, là. Tu iras pisser aussi, en prévoyance. Et 1380 pour Céleste. Et pas de promotion en vue. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ok. Les gamins sont rentrés, mais le directeur, il continue à appeler, quoi. Alors, manière, contrôle des émotions. Contrôle des émotions, manière... Résolution de conflit diminue empathie. Ah. Augmenter les manières. Comment vas-tu, petite enfant? Oh, elle a le sourire. Cécile Drago. Drago. C'est pas une descendante d'une famille que j'avais mis au tout début, ça, Drago? D'ailleurs, ils se sont reproduits en 10 générations aussi, hein, la famille perdure. Kiri vient d'un ami de Feta. Kiri et Feta, c'est pas mal, je trouve. Alors, bah c'est parti, on va faire les devoirs. Ils sont pas trop en mauvais état, ces gosses, donc c'est devoir. C'est devoir, devoir, devoir. Toujours, toujours, devoir d'amour. La 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 l'air. Ta 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 ta. Elle va travailler son écriture en vrai parce que je pense qu'il va falloir qu'on maxe l'écriture. Reprendre l'écriture de livre de motivation et écrire son truc d'écrire. Ça c'est pas mal. Et lui, bah, il attend que le temps passe. Ah! Ah! Hein? Y'a un bug, y'a un bug, c'est pas grave. Y'a un petit bug là, j'ai cliqué sur le truc, c'était pas comme ça que j'aurais dû faire. Je crois que je l'ai remis dans le... C'était un petit peu buggy quand même, on va pas le cacher. Tiens, faire une sculpture, tiens. On va t'occuper parce que t'avais l'air de t'ennuyer dans ta vie. Et c'est reparti en vitesse 3.
Elle est pas là, la petite Drago. Non, elle a l'air choupette. Est-ce qu'elle aime la malice? J'ai envie de dire... Feta, est-ce qu'elle aime la malice? Feta malice. quand tu joues, tu laisses les autres Sims vieillir, mais tes autres parties ne changent pas ou ils vieillissent quand même. Ah si, si, tout. Bien sûr, ça vieillit partout. Hein. Elle a pimpé son scooter, ok quoi, elle a changé de couleur. Non, c'est parce que ça avait bugué. En fait, il était dans mon clic souris, si tu veux. Alors, non, oui, oui, non, 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 non. C'est un non. Elle n'aime pas la malice. C'est vrai que c'est chiant. Moi, la malice, je le prendrais plus. Hein. C'est comme les yeux marrons. Il suffit qu'il y en ait un qui m'ait cassé les pieds. Bah, voilà. Toya, il m'a saoulé que les toilettes qu'il arrêtait pas de piéger. Bah, c'est fini, je ne peux plus. Tu me saoules, Nila. Fais ta vie sans moi, quoi. Les voisins sont toujours là. Bah, tiens, il est déjà là, lui. Ouais, tu peux accueillir les voisins. Et qu'est-ce qu'il a? Il est tout excité. Point commun pour construire une relation. Se sent amoureux de quelqu'un à proximité. Bah, tu te calmes, hein. Et elle est en train de faire la gogole dans le placard. On t'a vu. Souvenez-vous de Toya, il nous faisait la même chose. Hein. Casse-toi, toi, pédophile. Laisse notre gamine tranquille, qu'est-ce qu'ils font tous là? Ça fait peur. Et lui, il regarde la bouffe, il fait « Oh, manger, j'ai le droit de taper dedans, comment ça se passe ?» Eh, bah, aux toilettes. Ah, bah tiens, tu pourras discuter avec les voisins, tu te sens tout seul, là. Respectueuse. Remercier d'être là. Remercier d'être là. Et amusante. Ah, il a commencé à pisser, mais pas trop, vous avez vu. Il a fait 3 gouttes, il a dit « Oh, il faut que j'aille dire bonjour aux voisins. » Voisin. Voisin. Ok, elle bosse son écriture, va être au niveau 8, c'est cool. Son avis, c'est ça. Hein. Le niveau 8, on va de la carrière, enfin 9, faudra être niveau 10, quoi, un truc comme ça. Donc, oh putain, la mague. Ils m'ont cassé. Ah non, il est parti au boulot. Oh là là, on va devoir dépenser de l'argent, mais quelle honte. Quelle honte! Alexandre Drago est adopté par le foyer Prisme. Cécile aussi, et Alexandre... Et Drago, ils se reproduisent bien. Hein. 3 gosses quand même. Hein. Tu me rendrais par ça, ma cocotte? Il y a tout le monde qui est parti se coucher. Et les voisins, ils squattent, ils bouffent leur propre bouffe qu'ils ont ramené, ils squattent tout la baraque. Ok. 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 Qu'est-ce que tu fais? Tu peux être présentation polie, présentation polie, présentation amicale. Samuel Bonnet. C'est la merde. Heureusement qu'on a quelqu'un qui vient pour le ménage en vrai. C'est crade. Fais-toi pas faire une phase. Ok, bah, tant mieux pour toi. J'espère que c'est pas une phase trop moisie. Ils sont glauques autour de la gamine. Oui, c'était un peu chelou. Ouais. Et hop, dodo. On va mettre ça de côté pour le petit-déj. Lui, il est... Ah, 160 simflouzes. Mais il y a une promotion dans l'air. Comment ça se passe? Pêcheur niveau 2. Bon, pas tant que ça. Ah, il faut atteindre le niveau 4 de la pêche. D'accord. Bah d'accord, il va se coucher. Bah écoutez, tant mieux. Nous sommes à 54 minutes. Et on fait 3 jours. Possible, hein, on peut y aller encore. Hein. Eh, ça veut dire que si on refait 3 jours comme ça, ça grandit. C'est son anniversaire à lui après. Regardez, 2 jours. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est muy bueno. Kiri grandit dans un jour, c'est parfait. Lui il se lève maintenant. Et maintenant il en a marre de partager les salles de bain uniques avec ses frères et sœurs. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se lève à 3h du matin pour faire se douche et son pipi. Et après il retourne se coucher. L'air de rien. Tout propre, tout sous neuf, tout vidé, tout bien. Niveau célébrité perdu. Bah j'en suis désolée.
Hygiène, bah écoute, prendre une douche alors. Voilà. Ah 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 ah. Ah là là, c'est trop dur la vie hein. C'est feta celle-là. Un feta. Feta salakis au bon lait de brebis. Oh, elle est mignonne. Elle est mims. Elle est mims. Ça va. Peu moins jolie que sa sœur quand même. A priori, après on sait pas, ça peut être une surprise. Hein. Pomme, je la trouvais pas très jolie en enfant et au final, quelle beauté fatale. Tu pourras aller au pipi. Ah non, non. Alors toi, je t'ai. Ouais, bah tu. T'as pas besoin. Non. Tu sors. Tu sors. J'ai dit à ta sœur. Ta sœur, elle fait. C'est le jour de la mûre. Eh, hey, c'est bientôt le jour de la mûre en vrai. Vous fêtez-vous le jour de la mûre dans la vraie vie ou vous en avez rien à foutre parce que c'est parce que vous êtes seul ou pas? Et l'adopter, bah un jour il grandit. Oui et Mimi, bah ouais. Mais Mozza quand même, Mozza elle fait caca là pour l'instant donc Mozza elle est pas au top de sa forme. Non, elle est pas au top de sa forme, Mozza. Elle a connu des jours meilleurs. Hein. Des jours très meilleurs. Hop, bah les garçons vont bien. Snow, à la limite, il va regarder un peu de téloche. Histoire de se déteindre et se divertir. Et toi, fais pas le ménage, en fait. T'es gentil, hein, mais non. On va regarder la télé aussi. Ouh, on a quelqu'un qui vient. Attends, on les paye. On les paye assez cher de l'heure comme ça. Je ferai une patronne absolument horrible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces gosses qui veulent rendre service à la communauté. Lâchez-moi ça. Ça sert à rien. Je vous le demanderai quand on fera des économies de femmes de ménage. Voilà. Là, on lui donne du travail. Elle va être contente. Elle va dire... Ah, super. Tu vas faire avec ta soeur. Voilà. Cassez-vous dans le jardin, ça ira très bien. Ça dépend de mon humeur. Le jour de quoi? Ouais, je sais pas non plus. Non, rien à faire, même si on est ensemble depuis 18 ans. Oh la vache. C'est toute une vie, ça. Alors, contrôle des émotions, responsabilité. Empathie, manière, empathie, résolution de conflit. C'est pas grave, la responsabilité, il fait ses devoirs, c'est fini. Un level up, c'est quoi ça? Je suis en couple, j'ai détesté depuis que j'ai eu un joli bouquet tout à l'heure, alors pas besoin de la Saint-Valentin. C'était pour se faire pardonner. Mozza, est-ce que tu as un souci ou tu as un particulier kiff sur les ordures? Ah, par contre, t'as un profil, meuf, c'est pas joyeux. Hein. Parce que là, c'est miam miam les ordures, vous êtes prêts? Ah merde! Ah! Il y a eu le mange tes morts et maintenant il y a le mange mes ordures quoi. Voilà, mange mes ordures, c'est bon quoi. Tu aimes ça? Moi aussi. Ah! Miam! 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 C'est bon ça! Oh, miam! Elle a même pas le temps d'avaler. Elle picore. Elle picore le. Voilà! Elle est contente hein! Elle est contente, elle a mangé les ordures. C'est bien normal. Bon alors, tu grandis quand, toi? Encore un jour, hein, c'est pas maintenant. Salut Elatana, comment vas-tu? Si seulement mes poumons pouvaient en faire autant. Manger les ordures? Ouais, j'avoue. Ça en ferait moins acheter. C'est qui les deux premiers? Rien à faire, surtout quand t'es célibataire, oui. Moi je fête rien du tout, moi. Moi je fête la Saint-Valentin. Ça tombe quand, cette année? On se ferait pas un live anti? Oh, c'est un lundi. Bien sûr, mais je live pas le lundi, moi. Eh, on le fait ça le 15? On fait ça le 15? L'anti-Saint-Valentin? La Saint-Valentin?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ce jour-là? Est-ce que vous avez des idées pour un programme anti-amour? Le live du tue-l'amour. Ça peut être tout et n'importe quoi, je m'en fous. Regarder des trucs, papoter, jouer. Et je ne sais quoi, n'hésitez pas à me proposer, ça pourrait être rigolax. Tu m'as pas répondu pour le level. Mais parce qu'en fait, je sais plus de quoi tu parles. C'est pour ça. Pareil, les deux premiers, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais bien qu'il faut mettre des mots avec vos mots. Pas pour ce soir à ce rythme-là. Ok. Je suis avec mon mari depuis mes 15 ans. Ah, vache, ouais. Eh ben, faut avoir envie, hein. J'ai eu un bouquet pour me féliciter de mon nouveau poste, mon chéri. Il m'attendait avec un petit bouquet. Oh, bah bravo pour ton nouveau poste. Oui, c'est un lundi, puis le jour où je reprends le boulot, en mon biquet. Moi, je fais, c'est rien du tout. Bah oui, c'est normal. On peut mater des mecs. Bah, il en faut pour tous les goûts. Faire rompre des Sims en série. Ouais. Des jeux qui tuent l'amour, ouais. Tu me fatigues, il y a une notif dans le chat. Dans le chat. Regardez des vidéos où les nanas disent non à la demande en mariage. Challenge rapide, méchant Valentin. Ah ouais, j'ai même pas regardé ça. On peut mater un peu de meuf. Alors, la vente de fleurs. Acheter des fleurs pour toute ta classe. Ah oui, c'est vrai que c'est le jour de la mûre. Ah, mais c'est bon, lâchez-moi la grappe. Big bisou. Tu m'en fais des bisous à moi? Non, j'ai pas de bisous, moi. Bonjour mon Jamie, tu viens faire un bisou à maman? La meuf qui vient de dire, mais j'ai fait exprès. Alors, manière. Parce que ici, là, ça compte beaucoup plus, parce qu'il faut pas oublier que j'ai trois trucs à faire valider. Donc, et là, c'est Snow. Donc, toutes mes chances sont sur Snow. Kiri, on s'en fout. Mais Snow, c'est le premier. Donc, c'est lui qui va me valider l'aspiration. Pour moi, c'est lui qui va valider l'aspiration. D'accord, Kiri. Kiri, on fêtera pas son anniversaire. Il attendra de grandir tout seul. Espèce d'adopté. Oh, je suis méchante. Alors, manière, émotion, résolution de conflit, empathie. Parce qu'en vrai, à part l'empathie, tout est travaillable. Hein, donc, il est trop jeune pour embrasser quelqu'un. Ouais, contrôle des émotions. Il ira courir, de toute façon. Bien élevé. Il n'est plus compatible avec contrôle des émotions. T'inquiète, mon coco. T'inquiète, chaton. Jamie, t'es reparti? Et mes câlins? Pff, saloperie. Faites des gosses. Échange secret de cartes jour du férié de l'amour. Oh, on met discrètement la carte dans la boîte, donnez courageusement. Allez, on va donner courageusement. Vente de fleurs à l'école. On s'achète pour toute la classe. Allez, ouais. La maîtresse des corbeaux. Le coup de cœur de Snow ne savait même pas qu'il existait. T'inquiète, ça c'est ma vie. Kiri a décidé de surprendre toute la classe avec des fleurs. Malheureusement, il a oublié de signer les cartes. Pff, allez, donnez courageusement. Je vais tout foutre en l'air. Ah non, c'est bon. Le coup de cœur de Feta ne savait même pas qu'elle existait. C'était l'occasion d'y remédier. Ouais, ça c'est ma vie. Arrête de faire le ménage, wesh! Ah, j'avais raison. Elle est en cloque, madame. Altoduso, tu peux pas... Va pêcher, en fait. Casse-toi. Où est-ce qu'il y a un truc de pêche, ici? Là. Va pêcher. Va pêcher. Casse-toi. Casse-toi de la baraque. Tout le monde se casse. À la queue leu-leu. Voilà. Et voilà, niveau 3. Brah! T'es vache avec Kiri. Oui, je suis un monstre. Ce n'est pas la chair et le sang de mes Sims, donc je l'aime pas. C'est comme ça, c'est la vie. Jamie ne veut pas faire de câlin car c'était avec Kiri. Tu m'as adopté. Ah oh, non, c'est mon enfant. Il est pas fini, mais c'est mon gosse quand même. Oh mon Titi. Tyrion. Il y a le béret, Titi. Ce Tyrion, il adore ce béret, pour ceux qui savent pas. Béret en laine, 100% laine, bah il est complètement fou. Il attrape, il lui fait des câlins, il le mord, il est complètement taré avec.
Oh, il a chopé un gros thon. C'est de toute beauté. T'as vu? C'est tout le gros thon. C'est de toute beauté. Fétichiste ce chat, parce que ça sent la biquette. Ah là, les notes sont en haut, sans... Oh, qui c'est qui a chopé un A? C'est Snow! Mais Snow, mais qu'est-ce qu'il est fort ce gamin. Quand je vous dis... Hein... Tous mes espoirs sont dans ce petit garçon. Il va réussir. C'est lui qui va nous faire valider le Lotsoberry, vous allez voir. C'est un garçon, certes, mais... il va nous aider à nous valider ça. Vous allez voir. Non, arrêtez avec la poubelle, là, maintenant. Faites une sculpture de sable. Fais-la avec ta sœur. Ça, vous allez vous occuper. En ce temps-là, lui... Lui joue au docteur. Magnifique. Biquettophile. Ça, c'est un bon fils légitime, exactement. C'est un bon fils, ça. Il travaille bien. Il y a A de A, alors. Il a A. Mon Ginette, tu vas regarder un film, tiens. Ouais. Fais-toi plaisir, je m'en fous. Même film de boule, vas-y. Titi, j'ai le béret, mon cœur. Ah, oui, hein. Ah, il est bien le béret. Hein. Il fait des conneries. Tu veux? Tu le veux? Tu veux pas venir là? Viens sur le bureau, mon chaton, viens. Je vais te faire de la place. Que je te surveille. Il est parti en courant. Ah, saloperie. Jamie, lui, il sait pas. Il regarde, il fait mais... Pourquoi? Pourquoi mon frère, il est aussi accro à ce truc-là? Qui pue, en plus. Qui refoule la biquette. Ah, ah. Arrête, Huge! Huge Calor! Allez, reviens à la maison, Jean-Claude. Tu vas épicer. Oh, mais les gosses qui font le ménage, mais ça me flingue. Vous avez fait tous vos devoirs, là, et pisser de manger, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais pas te gérer, toi. Ils sont où, tes devoirs? Ah bah, il les fait. J'ai rien dit. Toi, tu vas les faire. T'arrêtes de boire tout de suite. Et tu vois, tu fais tes devoirs. Non mais c'est quoi ces gosses là? Comme eux-mêmes! Viens ici! Tu dois pas épicer toi, Jeannot! Mais quoi? Mais arrêtez de m'envoyer des messages! C'est quoi ce harcèlement? Comme eux-mêmes! Oh, Célestine, elle va fêter son anniv! Bah alors, Célestinas! Tu vas préparer un repas gastronomique. Un truc qui a rien à voir avec la... Avec, mais bon. Ah bah tiens, j'ai juste la notif maintenant. Qui rit pas encore. J'aimerais bien qu'elle fasse un gâtal. Beau gâtal, mais je crois qu'il faut niveau 10. Ouais. Alors, quand je serai adulte, eh ben tu seras... on te jouera plus, déjà. Arrêtez le challenge. Alors, émotion, empathie. Empathie, empata. Il est 21h, les enfants. L'empathie, résolution de conflit. Non, ça c'est chiant. Manière, responsabilité. Responsabilité, c'est très bien. Ouais. Arrête de boire de l'eau! Gourdasse! Aux toilettes! Ah, mais ils sont chiants à demander des conseils! Bouh! Brrr.
je fais ça. Casse-couille, hein, je te jure. Ils sont tous chiants, là. Eh ben, fais du travail supplémentaire, ça te fera les panards. Tous, allez, moi, laissez-moi tranquille un peu. Là, puis c'est vendredi, c'est-à-dire que c'est le week-end, là. On va se taper pendant 2 jours. Comme même. Tu dis que ça sent mauvais, imagine ta tête après. Mais moi j'ai toujours une sale tête, moi, je compte pas moi. Et c'est l'heure de la publicitad. Parce que Martial il en a décidé comme ça. Responsabilité. C'est chiant, c'est insupportable. Oh, responsabilité, résolution de conflit, contrôle les émotions. C'est bien ça. Ah, je vous jure, ils sont chiants. Arrête avec ton verre d'eau, bon sang! T'es, je vais te le foutre dans le... Donc, trop fignon, tu vas le sentir passer. Flirter avec les collègues. Alors, Jeannette, là, qu'est-ce que tu fais, là? Va aux toilettes, un peu. Tu vas écrire. Parce que c'est la vie, c'est comme ça, reprends-toi l'écriture. Et tu l'as toujours parfait, ton bouquin, là. Ça veut dire quoi? Voilà, elle a fait... Elle a déjà fini son bouquin. Il y avait 3 mots. Il fallait juste qu'elle écrive la fin. Et ben voilà, elle l'a fait. Des temps quand même. Hein. Écrire un livre de genre... fantasy. Voilà, voilà. Et faut pas qu'on l'oublie dimanche. D'aller à la piscine. Et niveau 8 de l'écriture, ça c'est bien, prendre l'avance pour le prochaine promo. Ça c'est cool. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool, et ça c'est cool. Et tu peux dormir au lieu de faire une sieste. Et toi pareil, avant que je m'énerve. Je sais, aujourd'hui c'est très speed, hein. C'est l'objectif, hein. Là le note Sobéry, ça fait quand même 2 ans et demi, hein. Vous imaginez que j'aime bien ce challenge, mais au bout d'un moment, ça commence à être... Hein? Bon? Ce serait sympa de passer à autre chose, hein. Salut Anne, comment vas-tu? Ah oui, et d'ailleurs, c'est la pub, hein, n'hésitez pas, je vais vous envoyer une petite pub, n'hésitez pas à me dire si vous la voyez à la place de ce stream, et puis ça veut merci beaucoup, si c'est le cas, parce que ça veut dire que sans rien faire, vous me donnez quelques petits centimes d'euros, ça fait plaisir, merci, au revoir, à bientôt, n'hésitez pas à revenir. Voilà, c'est pour envoyer. C'est envoyé. De toute façon, la plupart d'entre vous, vous avez le sub, alors maintenant, vous voyez même pas s'il y a des pubs ou pas. Non, ça sert à rien. Putain. Arrêtez de faire le ménage. Va pisser, toi. Et voilà, responsabilité. Ah, mais j'en ai marre de ces gosses. Mais pourquoi tu vas te laver tes propres gourdasses? Ah, c'est pas possible. Mais dégage. C'est toi qui dégage, wesh. Mais toi, arrête avec ton verre aussi, là. Oh, punaise, hein. De tabarnak de coris. Et c'est lui qui doit pisser le plus. Et c'est lui qui va pas pisser. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ils sont tarés, ces gens. Ces chaloperies, là. T'aimes le fitness? Oui, allez. C'est pire que les 7 bambins. C'est pire. Oui, bah écoute, ta soeur là est relou. Qui c'est qui est mort? Ah non, elle a juste raté le... Ça va, il y a pire dans la mienne. Oh, des œufs bénédicts. Oh, ouais. Ah, papa, il va y réparer les chiottes. Avec sa foutre. Ouais. Parce qu'on n'a pas gagné le million, alors économie, hein. Attention. Pas déconner. Tout va bien, merci. La photo à Marine comme même. Qu'est-ce qui se passait encore? Où les gens osent pas dire plus parce qu'il y a Marine. Ouais, j'avoue. Et niveau 8 de la cuisine.
Zumbao. Nucci, Crainoho. Allez, chiche, kebab. J'enregistre. Je les laisse en vitesse 3. Ils se démerdent. Allez. Qui c'est qui... Ah bah d'accord, c'est Vlad, il fait de la... Il se balade. Il se balade hétéroclite dans la... Style de vie obtenu dynamique. Eh bah oui. La responsabilité de Feta est remontée, super. Il faut que... Enfin, faut pas que j'oublie de faire les anniversaires, surtout. Je vais y arriver à trouver où c'est. C'est là. Gatal, ma cocotte. Cocotine, repas gastronomique. Tu peux faire un gâteau d'anniversaire. Comment ça se passe? Pièce montée. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu vas te faire une belle pièce montée pour ton anniversaire. Kiri aussi va grandir. Oh là là. Non mais Kiri, on fait pas son anniversaire. Parce que ça veut dire qu'il aura un jour d'avance sur Snow. Et je veux que ce soit Snow qui valide l'aspiration. Donc, si je fête l'anniversaire de Kiri un jour avant Snow, bah ça va pas aller. Dans mon prince, dans mon truc. Et toi, arrête avec tes putains de verres d'eau. Je te jure, je t'en fous un dans le fion, moi. Ah, qu'est-ce qu'elle est vulgaire. En plus, elle est agressive avec les enfants. Oui. Mais moi, j'ai jamais dit que... Hein? Oh, l'anniversaire de Célestine. Nanana. Elle doit pisser ses verres. Célestine. Et elle pue sa mère. Célestine. Putain, mais lui, il a regagné en pec hein, et tout. Hein. Ouh là, il est fit. Hein. Fit boy. Hein. Allez, va faire un vœu. Fais un vœu, ma petite Célestine. Attends, on va te prendre en photo pour la miniature parce que j'en ai pas encore fait. Ce serait dommage. Comme même. J'ai l'instant d'avoir un bon angle. T'as même pas réussi à souffler tes bougies. T'es un peu con quand même. Hein. Elle a plus de gras au cul. Douda, douda. C'est comme ça qu'on devient adulte. Oh, douda day. Bon, on connaissait déjà sa tête, j'avoue. Et Céleste a vieilli. Bonne app, Céleste, j'allais dire. Tu remets le bougie, stop. Arrive dans le chalet, cheveux au vent, telle une BG, me voilà agent 21. Boule agent 21, QQ agent 21, titi coin coin agent 21, ceci. Marine, je te proute. Voilà, sache-le. Sache-le que je te proute. Et coucou Marie, comment vas-tu? Quand même, j'en peux plus, toi. J'en peux plus. T'as la lèvre devant les phares de voiture. Qu'est-ce qui est quoi? Ça y est, ça débat, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pub pour moi, ça m'arrive presque jamais, peut-être parce que je suis pas dans le même pays. Merci beaucoup, Caro, pour la pub. Et voilà, hein. C'est ce qui s'ensuit, hein. Tu viens de devenir une cible, et c'est ça. Cucu le chat. Cucu le chien. Oh là 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 là. Comment vas-tu, ma petite Marie? On parlait pas de toi, mais sache qu'à vers mon petit truc de bois, là, je sais pas quoi. Tu connais mieux la suite que moi, j'imagine. Allez, vitesse 3, on a dit. Ils se démerdent. Aujourd'hui, je travaille plus. Moi, ils sont... c'est le week-end pour eux, pour moi aussi. Ils se démerdent. Ils foutent le feu s'ils veulent. Je dis ça, mais après... Je leur interdis de boire des verres d'eau. Je suis trop gentille. Qu'est-ce qu'elle fait? Shanks a voulu me manger. Je pensais qu'il m'aimait, mais il veut ma mort, JPP. Bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Hein. T'es toujours en train de dire qu'il te bouffe, donc... J'ai mis aussi, mais là... il est pas venu, hein. Vous l'avez pas vu encore. Mais arrête! Elle veut pas de rancard avec toi. Jamie, vous l'avez pas vu. Hein. Il se cache, hein. Il devient grand, hein. Il va plus venir. Il m'aime plus, cet enfant.
préfère faire des câlins à son frère. C'est... Oui, t'as vu encore, mais c'est tout le temps, j'ai l'impression. Ah, mais c'est bon, là, les demandes, là. Je les lis même plus, là. C'est comme quand je reçois des mails. Oh, bravo, vous avez gagné le PS5. Bah, déjà, j'en veux pas. Puis j'ai pas demandé à en gagner une. En ce moment, les spams, ça y va de partout. Hein. Insta, mail, téléphone, pff, l'enfer. C'est l'enfer. Non mais là, sans préavis, il a essayé de me mordre à la gorge. Il est bizarre, ton chat. Hein. Il faudrait peut-être qu'il consulte un psy. Hein. Tu m'étonnes qu'il a eu du mal à trouver une maman, si c'est parce qu'il bouffe les gens. Ah, bah elle est là, elle. Attends, sœur. Attends, sœur. Vas-y, viens. Elle s'est déplacée, on va la foutre en cloque. Célébrité, une étoile. Voilà. Je dois y aller, c'était très sympa. Bah oui, connasse. On fait du déplacer pour rien. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est la nôtre. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Toi, t'arrêtes de bouffer, parce que tu bouffes tout le temps, tu passes à spi. Merci. Omar Thermidor, allez, brrrah. Ça c'est le plat préféré que Daichi faisait. Oh, mais regardez-moi ça, mais ce gogol. Quand je vous dis que ils savent pas se gérer, le gamin a réussi à se pisser dessus, idiot. Je m'en fous, tu restes dans ta pisse. Si t'es trop con pour aller pisser quand il faut, c'est ton problème. Hein. Il est puni dans l'entrée du coup. Oh, un chat vampire, il est chelou. Alors que je lui donne de l'amour et des croquettes. Ah, mais c'est, apparemment, c'est pas des bonnes croquettes. Hein. Va falloir que tu révises les croquettes que tu lui donnes. Hein. Mais arrête de célébrer ta mère aussi. C'est l'anniversaire de Snow. Mon fils, ma bataille. Dès qu'il clignote, anniversaire. Il sera adolescent avant l'autre. Nah, c'est comme ça. Oh là là, alors j'aime pas ça, mais je sais pas, d'un seul coup, ça me donne envie. On a dit qu'on parlait pas de bouffe. Pipi. Pendant ce temps-là, toi, tu vas manger du homard. Vas-y, fais-toi plaisir, mon grand. Et après, tu vas te coucher. Comme tu sais pas te gérer tout ça, je suis obligée de te gérer. Toi, tu vas te coucher aussi, tu... Pars-toi, je vais plus te voir. T'es moche. Qu'est-ce que c'est? Comme eux-mêmes, c'est pas possible. Non mais... Mais mon fils, je comptais sur toi. C'est ça l'avenir de notre famille? C'est ça l'avenir du notre Sauberry Rainbow? Un gamin qui se pisse dessus et qui tombe dans les pommes parce qu'il est 6h du matin, qu'il n'est pas foutu d'aller se coucher quand il faut. Quelle honte. C'est une honte. Une honte. J'ai envie de dire même que c'est... Hein? C'est honteux. Tout à fait. Coucou la brique, comment vas-tu? C'est la totale, c'est n'importe quoi. On va réenregistrer parce qu'au cas où ça plante. Trop dommage d'avoir avancé autant pour rien. Ça nous a 1h24. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. On a la chiasse quand on s'endort. Et au mal au ventre. Ah non, c'est pas ça les paroles? Merde. La honte de la nation. Ah bah oui. Saloperie. Aspiration.
Ce sera ça. Allez, clac. Bon, bah, je sais pas. Aspiration. Premier qui me donne une aspiration dans le chat. Il va mourir dans atroces souffrances, ce gosse, hein, moi, je vous le dis. Bien sûr, il manque jamais une occasion de se faire remarquer. Il est à vue, hein, Iruline, franchement, c'est abusé. Une vraie déception. Vampire. Vampire, allez, c'est parti. Vampire quoi? Vampire famille? Allez, ouais, famille de vampires. 1, 2, 3. Et voilà, il est disciple du recyclage. Parfait. Oh mon dieu! Oh, oh mon dieu! Et content et oh, oh, c'est mon anniversaire. Je suis dégoûtée. Juste avant, notre fils nous a déçus. Maintenant, l'adopté passe devant. Ah, c'est beau, hein, moquez-vous, hein, moquez-vous. Il est moche, il est taillé en poire. Ah, oh, mais quel enfer. Ah, oh, mon dieu. Non, tu sais quoi? Va faire du yoga. Tu vas faire du yoga. Après, tu vas y courir. Et recourir. Et sûrement recourir après. Voilà, merci, au revoir. T'es où, toi? C'est l'anniversaire de... Mais oui, c'est l'anniversaire de notre fils. Putain, 5 minutes près, je te jure. Ça me flingue les... Ça me flingue les burnes, moi, je te jure. Ça me flingue les burnes. Allez, maman, papa! C'est l'anniversaire de Snow. Mon Snow! Il dort, enfoiré, t'es mort. Là. Viens! C'est ton anniversaire. C'est pas celui de ta mère, c'était hier. Ni celui de ton frère. Allez, croisons les doigts. Oh purée, je crois qu'il est pas terrible du tout. Je crois qu'il est moche comme un pou! Ce cri. Un régime s'impose. Après, on va dire que je suis grossophobe, tu vois. Mais parce que je suis moi-même grossophobe envers moi-même. Voilà. Alors, aspiration. On lui met quoi? Mais du coup, à l'âge adulte, il y a moyen que clignote en même temps qu'Iri, donc on puisse souhaiter. Oui, donc je serai au taquet. Hein. Là, c'est clair que Snow, il passera avant. Là, Snow, il passe avant, c'est clair et net. L'autre, il attendra, il clignotera, mais je le ferai pas. Non, ça, c'est sûr et certain. Je ne me remercie pas. T'es adotophobe? Bah, après, j'ai pas peur des gros. Hein. Je m'en fuis pas en courant quand j'en vois un. Hein. Sport, bon bah écoutez, sport alors. Sport extrême, culturiste, ok. Bande de potes, il aura sûrement besoin pour survivre dans ce monde. On jouera pas avec. C'est pas très rigoureux cette génération. Franchement, je sais pas, la miniature, il donne pas envie l'air d'avoir une grosse bouche. Je sais pas, on va voir. Et deuxième trait de caractère sera 1, 2, 3. Matérialiste. Un petit fessier. Ah, il a moins de ventre que son faux frère. Oh! Magnifique petit chausson lapin, évidemment. Oh, les cuissots qu'il a. Oh! Aïe, 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 aïe. J'ai peur. Et une grosse bouche. Ouf. Ah, Snow. Oh putain. C'est de toute beauté.
moi. Il est moche. Merci beaucoup Pauline pour ton follow. Bienvenue à toi. En même temps, tant qu'enfant, tu leur donnes de la marde à manger. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec sa goule. Hein. Oh, c'est pas le front qui me choque, moi, c'est tout le reste. C'est de toute beauté. Oh, c'est affreux. Il me fait penser à quelqu'un. Mais j'arrive pas à voir qui. Pas un acteur, mais... Enfin, un comédien comique, non? Oh la vache. Niveau visage, je préfère Kiri, mais le corps Snow a plus de potentiel. Après, il suffit... C'est peut-être une histoire de relooking et de beubard, hein, mais là... oh my god, hein. Oh my god, hein. Salut Corinette, comment tu vas? Les sourcils n'arrangent rien. Non, mais il n'y a rien qui arrange quoi que ce soit, là. C'est affreux. Chaud les têtes des gosses. Je suis sûre que sous bon angle n'est pas si épouvantable de dos, par exemple. Je pense, oui. Effectivement. Profil. Ouais. Ouais. Ah oui, là, on tient quelque chose. Là, effectivement. Guy t'as raison. Là, c'est beau. Là, c'est sympa. Là, j'aime bien. Il a des vallées sous les yeux de fou. Bah, c'est carrément... T'as toute la soupe de l'avion, quoi. Oh my god, j'espère que les filles, elles seront moins dégueulasses. On dirait Squeezie. Ah non. Ah non, arrête, s'il débarque sur mon live, il lâchera pas ses subs. Excuse-moi, Squeezie, hein, lâche des subs. Ah, cette déception. Tu vas bien, tant mieux. On vient de faire grandir nos deux garçons en ado, mais alors notre enfant de sang, bah, c'est ça, et c'est pas beau. On est très déçus. Regardez cette gueule, je l'avais vue, je sais, non, il est pas beau. Non, il est pas beau. Non, il est pas beau du tout. Il est crevé, hein. Il retournera te coucher, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, fais pas ton beau gosse sur Insta, parce qu'en vrai, mon Dieu. OMG, félicitations pour ton récent anniversaire. De rien. Merci, je veux dire, plutôt. Oh, la vache. Il est tapé dans le gâteau. Mais arrête de bouffer, toi, tu ne viens de comprendre. Tu me reconnais comme gâteau, là. Pardon. Je suis très énervée ce soir. Tchic. Il a les yeux bleus. Certes. Oui, bah oui. Sinon, je l'aurais euthanasié déjà. S'il avait pas eu les yeux bleus, c'était euthanasie directe, hein. Oh la vache. Oh putain, l'autre, il a un de ses looks. Michou à la limite. Oh la dégueu. Non. C'est moche. Sub qui? Tout le monde est déjà sub à cause de Marine. Hein? Bah, il y a toujours des subs qui se cachent. Des non-subs, des lurks, des sous-marins, tout ça. À mon avis, le père a été mal choisi. Le père de qui? Ah, le père. Ah oui. Ben, je sais pas. Hein, c'est peut-être les gènes de Céleste. Hein. Je préférais sa sœur à la base, moi. Mais bon. Je préfère Kiri. Tu préfères le Kiri à la Snow? Ouais. Non mais. Puis en plus, il fait un de ses bruits là quand il dort. C'est infernal. Oh, putain, mais il est moche. On n'avait pas vu ça comme ça, non? Oh. Ah, il fait peur. Et elle gagne de la thune, hein, avec ses bouquins, elle. C'est bon, ça. Ouais. Mais arrête de bouffer. Lui, j'en peux plus, hein. Et il me saoule. Dégage. Va nager ici. Casse-toi, va faire ta grenouille. Et lâche-moi. Je suis en train de bouffer, sérieux. Bon, les filles, c'est pour quand? 3 jours.
va peut-être le faire. Ça peut pas venir de Céleste. Le sang de Bredo et Pulco coule dans ses veines. De Bredo ? Qu'est-ce qu'elle raconte, Chantal ? Elle est folle. Des os, c'est Noisette qui a écrit. Ah oui, elle écrit 333. C'est trop mignon. Trop chou. Les vêtements du Secours Populaire. Ah, c'est horrible. Vous êtes pire que moi. Une Kiri qui a commencé à contracter des trucs chelous sur son corps. Ah, il a le contrôle des émotions. Allez, attends, mais va courir maintenant. Dégage. Non, mais lui, il est gaulé en... Laisse tomber, son corps, il est pourri déjà de base. Donc... Allez, toi, tu vas te lever. Je vais te débugger parce que... Parce qu'en vrai, tu... Voilà. Tu peux épicer. Et tu vas aller courir après, mon chaton. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup courir. Parce que vraiment... Vraiment, ça fera du bien de prendre l'air. Je veux dire... Il me saoule à tous appeler, je vous jure qu'il me saoule tous. Et hop, tu vas prendre une douche. Mais... Oh la fille, comment elle a déjà pas le dingue ça. Gay. J'ai dire c'est quoi ça. J'avais pas reconnu que c'était... T'es ken. J'ai cru que c'était un voisin qui était venu squatter. Non, c'est pas un voisin qui est venu squatter. Elle va te laver, va. Maman ira plus tard. Aïe, 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 aïe. Hé, maman, tu vas aller te faire bronzer en maillot de bain. Ouais. Utilise Snow sur un let's play serial killer. Qui êtes-vous? Nous n'avons pas de fils, c'est ça. Mais arrêtez! Oh! Ils sont insupportables, hein. Ah, mais... Non, vraiment, t'es... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi... Oh là là, et vas-y que je me plains. Il y a la tête qui tourne. Oh mon dieu, il y a le monstre qui s'est réveillé. Ah oui, il court, c'est vrai. C'est vrai qu'il court depuis tout à l'heure. Je dis, il s'est réveillé, mais ça fait un moment qu'il est réveillé. Bon, bah, Mozza et Feta, on va compter sur vous, hein, les filles. Hein. Il n'y a plus que vous pour relever le niveau de cette génération, de cette dernière génération. Ah bah, bravo! Il vient mater la petite sœur nue sous la douche. Ah bah, bravo. Alors, franchement, là... Ah oui, Cotin, en plus, c'est là. Oh, une petite fille toute nue, génial. Elle est un petit peu cramée. Elle est un petit peu cramée. Oh, c'est pas possible, je vous jure. Non mais un toilette pour 6, c'est quand même, assez problématique. Oui bah tu vas y aller. Laisse ta mère s'en remettre. Je vais faire Bogdanov. Il n'y avait pas un truc à faire dimanche, on est dimanche. Merde! Le truc BTP! BTP! 23h! Allez, bouge ton fion, on y va. Oh la vache! Merci Marine! Je pensais pas te redire ça un jour. Au revoir de topissime! On va y aller avec notre mari! Qui nous a fait des enfants moches. Non, je rigole. Tout pas caracacahuète. Oh la vache. La grosse blague. Bah, je pensais pas qu'elle cramerait autant hein, au soleil, parce que c'était en fin de journée et tout. À croire que le soleil de Soulani, il fait mal. J'ai eu mon merci.
Je te dirai autre chose la prochaine fois. Attends, alors, tu vas te mettre une jolie tenue en... t'as quoi en tenue? Ah, tu vas mettre ça. Tu vas être magnifique avec ta peau rouge, là. J'ai rien contre les Indiens d'Amérique, hein, mais... Tu sais, tu vas mettre en tenue, toi. Ah, c'est bien, ça. Hey, hop. À s'asseoir ensemble. Allez. Qu'est-ce que c'est? Non. Mais tu viens là, Gogol. S'asseoir ensemble, j'ai dit. Mais t'es qui, toi? Ah oui, c'est là. Ah oui, mais oui, lui, il a perdu son boulot parce qu'il est devenu ami avec elle. I think. Mais viens là, Gorgotte! C'est pas possible! Tu peux pas rentrer? Bah, on est invité au topissime, mais on peut pas rentrer. T'en fous, moi. Tu vas voir qu'on peut pas rentrer. Tu crois quoi? Dépêche-toi! Voilà, tu vois que t'es rentré. C'était pas compliqué. Hop. Ah bah va pisser, voilà, là, t'as une vie compliquée toi aussi, hein. Voilà. Voilà, suffisait de tricher un peu. Kumiko Hayashi a remporté les topissimes de la cible la plus touche à tout et sympa. Touche à tout. J'aurais pas confiance, moi. Vadish. Pour une fois que tu n'as pas de fouet. Il suffisait de demander, hein. Cela conclut la cérémonie. Oh, oh, tu te calmes, wesh. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle. On n'a pas gagné, c'est vraiment trop nul. On est arrivé trop tard, c'est pour ça. Il n'y a pas un placard dans le coin? Non, c'est moi qui l'ai mis le placard. Pour faire des trucs avec... avec des stars. Bon ben... C'est dommage, hein. Ils ont pu réussir à rentrer, mais... Oh. Chanter une chanson. Folk. Brille, 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 petite étoile. Vas-y, va chanter brille, petite étoile. Bravo! Oh, Céleste, ça me dit... C'était incroyable. Regardez-moi tous ces gens refoulés, là. Tous ces gueux qui n'ont pas le droit de rentrer. Bon, allez, on se casse. On rentre à la maison, parce que là, on a laissé 4 enfants... Ah non, il y a des adolescents, c'est vrai. Mais quand même, en plein âge rebelle, qui font surtout la merde, donc... On retourne avec notre mari parce que ben il faut bien qu'il serve celui-là. C'était super, j'ai adoré la cérémonie des topissimes. C'était cool. On pouvait pas rentrer dans le bâtiment. Alors qu'on est on y est convié, je veux dire. Cool. C'était sympathique. Ah. J'allais dire encore une fois, c'est quoi ça? C'est notre gosse, elle va faire du yoga, tu vois. Ouais, ouais, je suis morte de rire aussi.
Et toi, tu te barres de là, en fait. C'est pas... Tu dégages. Voilà. Des pâtes à l'ail pour bien sentir bon de la bouche. Ah oh bon, il ne fait qu'Alain, son fils adopté. Tif. Ah mais regardez-moi, c'est... Ah, le style, quoi. C'est quoi sa tenue? C'est quoi, c'est... T'as tenu tous les jours? Comment ça se passe? Alors... Quotidien, habillé... Sport... Ah, c'est le pyjama, ok. Ouais. Ouh... Waouh... Waouh... Ok. Il y a quand même pas mal de taf, hein. Niveau 9 de la cuisine gastronomique. L'Égypte. Pff, trop facile les pièges de feu. Hein. Nous, Jacqueline, elle est fait comme ça. En ninja. Tiens, tu nettoieras les chiottes. Rends-toi utile. Bonne réputation pour Vlad. C'est génial. Bon ami de Kiri. Tout ça, tout ça. Ah, on est déjà lundi. C'est cool. Le week-end, il sera vite passé. Crac, crac. Hop. Ah, te coucher. Tira, manger, coucher. Tira, pisser et coucher. Alors, moi, j'ai des programmes. Ah! Il est fit, hein. D'un seul coup, je le trouve moins moche là, ou ça, alors c'est parce que je suis moins près. Oh là. Faut le relooker ou le vendre. C'est peut-être la tronche qu'il avait, effectivement. J'ai bien fait de le rappeler, on aurait loupé cette super soirée, t'as vu, hein. On aurait été déçus. Il est mastoc, hein, quand même, hein. Intimidant. Il y en a qui sont tout freluqués. Lui, il est plutôt il a de la masse, quoi, je veux dire. Massu, n'importe quoi. Faut le rouquer, ouais, j'avoue. Mais il a changé de tête? Non. Ah non. Disons qu'il y a des expressions qui fait qu'il est moins affreux, mais c'est quand même pas ça encore. Hein. Bon, allez, vas-y. Hop. Oui, t'as mis au bien-être. T'es obligé d'aimer le bien-être, sinon je te vends. Gâteau. Sa tête me perturbe. Te perturbe? Ah. Si elle te perturbe. Les jours où elle te perd fort. Il a juste un grand front. Mais ça, il faudra le... Ah bah d'accord. Vous racontez la même chose. Bah oui, bah écoutez, on n'y peut rien. Hein. C'est la génétique qui parle, hein, les enfants. Arrête de faire la sieste, je veux que tu dormes. Allez. Lui, il va avoir du mal à se lever, hein. Il n'y a que Moza qui est déjà réveillé, qui fait le ménage et tout dans la baraque. Je pense que Moza a un avenir de femme de ménage. Ah oui, elle est soignée. Mais c'est pour ça. Tu vois que la femme de ménage va venir faire... Bon, bah non, il n'y a rien à faire. Parce que notre gamine, elle aura tout fait avant. Elle est contente, hein, ça sent bon dans la baraque maintenant. Et elle va à l'école. Comme une jolie petite fille bien sage. Tu peux aller aux toilettes. Qu'est-ce que t'as fait? Mais arrête d'agresser ton mec. Je sais qu'il... Bon, il a ses défauts aussi, hein, mais... Bah, elle arrête pas de lui gueuler dessus. Mais c'est une grosse malade, hein. Elle a quoi comme trait? Mais je comprends pas. Perfectionniste, morose, proche de sa famille. Pourquoi elle lui gueule dessus? Bah, elle a un problème. Bah, on dirait que c'est ses coups de soleil qui la perturbent.
Par contre, école là. École. Dépêchez-vous. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont déjà en train de manière contrôle des émotions. Ouais, contrôle des émotions. Oh non, l'empathie! Oh! Pourquoi ils appellent le père aussi? Le père, il a moins de skills en éducation. Et ben voilà, 863 rien qu'avec 3 bouquins. C'est beau ça, qu'est-ce qu'elle a? Regret instantané effectue une interaction sociale méchante. Oh, vous avez... Regarde, alors ça on s'en fout. On est en excellente performance. Il y a moyen. Il y a moyen qu'on puisse... Ah, attends la récréation. C'est pas possible. Écrire des critiques. Oh, ça monte. Il y a moyen d'avoir la promo. Quoi? Oh là là. Résolution de conflit ou résolution de conflit. Mais super, je suis PC l'empathie moi. Ils vont jouer en masse. Non, arrête de bouffer, ça suffit. Mais il me saoule, mais c'est pas possible. C'est trop si chiant. J'ai cru que j'avais un chat derrière, mais absolument pas. Ah bah d'accord. Il y a cette exception par... Et maintenant, il veut remanger. Non. Bon, écoute, Vlad, tu commences à être relou, en fait. Tu vas chercher des objets, des coquillages, tu vas aller faire de la balançoire et tu vas aller faire du yoga. Si tu t'ennuies, s'il faut que tu t'occupes comme ça, là, moi je t'occupe. Hein. 7000. On a passé une semaine déjà de Sims là, ce soir, en 1h52. Waouh, je pensais pas du tout que ce serait aussi qu'on y arriverait aussi rapidement. Avec son bob. Il y a une prédiction rapide qui est passée. Est-ce qu'on va avoir la promo ou pas pour Célestine? C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est maintenant, c'est tout de suite ou c'est jamais. Le coup de Soleim. Ah, de Soleil, pardon. Ok. La vitesse x3. 14h, elle finit à 16, je crois. Oui, c'est la vitesse x3, oui. Mais il est là, le papou. C'est quand même pas dégueulasse, de base. C'est vrai que le mélange, bof, il est pas terrible, en tout cas. On verra avec les filles. Hein. C'est quoi, ce bob? Ah bah, c'est un sujet, c'est un débat. C'est un débat sur le bob de Vlad. Voilà. Rejoins le débat avec nous. Oh là là. Martial, la délicatesse. Martial, c'est délicatesse. C'est son surnom. Alors, dans la prédiction Twitch... Vous me direz sur YouTube si vous l'avez. Vous sentez la promo ou pas. Ça voudrait dire qu'on serait vraiment à pas grand chose. Oh, ça veut dire qu'on peut limite torcher là le challenge si on a la promo ce soir. On sera arrivé au niveau 9. On n'aura plus qu'un seul niveau. Et attendre que les enfants grandissent. Et là, les enfants qui grandissent, ça peut être long. Mais si on fait en vitesse x3 comme ça, peut-être qu'en 2 ou 3 épisodes, c'est fini. Je vais faire quoi après? Je vais faire quoi après les enfants? Je ne sais pas, il faut que je travaille. Il faut que je réfléchisse trop en fait, il y a trop de trucs. Pff, c'est compliqué. Alors, promo pas promo. Promo à 70%, 24 900 points, vous êtes 9. 10 000 points en plus gros pari, c'est Jaël qui les a balancés. Non, pas pour cette fois, vous avez balancé 30%. Vous avez balancé 10 400 points, vous êtes 4. Et le plus gros pari, c'est 8 900 points et c'est Datanote et coucou à toi. Qui a balancé les points. Un autre challenge, oui. Pas aussi long. Hein. Ça, j'arrête les trucs sur 10 générations, c'est plus possible. Enfin, je vous ai dit que mon challenge, il va être sur 7 ou 8 générations. Non. C'est pas 10, hein. C'est 7 ou 8.
Hey, Kiri! Kiri, Kiri! Eh ben! Aïe, 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 aïe! Oh, tu pues! Mais ils puent tous ces gosses! Ah! Ils ont ramené de la meuf! Amélie de l'Estang! Bon, ouais. Elle a un maquillage spécial, j'ai envie. Je vais dire spécial, ça vexera moins de monde que dire c'est pas beau, je n'aime pas, c'est moche, t'es moche. Je préfère qu'ils prennent des douches, ce sera plus facile. Ah, mon coco, tu pues, hein. Lui fait son truc. Ah, il y a eu. Eric Bolivar aussi qui est là. Voilà, ça c'est ma tête. Sandwich aux toilettes! Et c'est pas de promotion pour cette fois. Amen. Cette gourdasse de Célestine s'est plantée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh putain, c'est pas possible. Empathie. C'est pas grave. Ah, par contre, l'empathie, ça y va. J'ai jamais été aussi au taquet pour... Oui, si, tu peux te laver, c'est ta femme. Non, c'est ta fille. Pardon. C'est pas ta femme, c'est ta fille. Quand même, c'est pas la même chose. Ça reste une femme de ta vie, mais... Bah écoutez, dites à Céleste, hein, c'est pas moi. Hein. Hey, Zou. Pipi. Voilà, qui c'est qui devait aller après se laver déjà, toi, tu vas manger, en fait, Jacqueline. Prendre des restes. Hop, c'est bon. Toi, tu devais juste manger. Toi, manger. Toi, tu peux aller pisser. Oh, c'est le défilé. Hein. Toi, ça va. Et toi, ça va. Ok, c'est bon. Hop. Vitesse 3. Quand même, je suis très polie. Pourquoi les adolescents sont pas très beaux pour être polis? Bah... celui-là, parce que c'est pas de notre sang, donc déjà on n'a aucun contrôle, mais vu ce qui nous a été proposé à l'adoption, on saurait qu'ils allaient pas être très beaux. Et lui, bah malheureusement, ouais, la génétique ne fait pas forcément des miracles. Pas à tous les coups. Bah on a eu toujours des Sims qui étaient plus ou moins jolis, hein. Et pourtant, regardez même Toya, qu'on trouvait pas très beau. Même en étant ado, c'était un peu limite et tout. Il est devenu méga beau gosse. Hein. Finalement, des fois, il suffit qu'il y ait un petit relooking et puis ça passe mieux. Hein. Donc, on va voir. Tiens, tu vas te mettre avec elle. T'es amoureux, comment il s'appelle lui? Kiri. Je me souviens plus. Arrête de faire ta geek. Oh, mais tu me saoules, mon voisin jour. Ben, je m'en fous. Oh. Non, je me déplace pas. J'ai pas bien cliqué. Tu vas me faire une... Tu vas payer les factures, déjà, ce sera pas mal. Et... Non, non, bah non. Paye tes factures, j'ai dit, Jeannette, là. Tu me perturbes, je sais plus, là. Écrire. Écrire un livre de genre scénario. Allez. Arrête. Lui, il a besoin de social. Bah, il a ses garçons, il a ses filles. Ils sont enseignés sur l'école. Et complimentés sincèrement. Voilà, volonté de blesser. Tout à fait, c'est très bien. Merci pour les points. Oui. Ce n'est que partie remise, hein. De toute façon, parce qu'elle travaille encore après. Non mais on est tellement prêts. Il y a zéro raison que ça marche pas. Hein. Mais elle est cramée de la tronche, c'est à mourir. Hein. Qu'est-ce qu'il a lui? Se sent blessé par quelqu'un à proximité. C'est ta mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ta mère? Ouvrir les profils.
Non. Ta sœur? Non. Ton père? Non. Ton faux frère? Ah oui! Snow était blessé par le comportement de Kiri. Et être près de ce dernier lui rappellera cette souffrance. L'adopter, tu viens t'excuser. Et tu vas essayer de le réconforter. C'est horrible. N'influence pas les votes. Mais j'influence rien du tout, c'est fini. Voilà, et la résolution de conflit qui remonte. Ah, tu comptes refaire. Ah. Bah après des fois le pire c'est ce qui est le plus frustrant, c'est que quand ça te met le truc doré, ça te l'allume et puis au final tu t'attends ton Sims qui rentre et tu fais eh ben y a pas de promotion. Ah ça ça me ah ça ça me ah ça me ah ah ah. Et alors Jeannot lapin, tu nous fais tes devoirs toi aussi les filles. Ah ça, c'est vraiment l'épisode de l'éducation. Là, j'en ai marre. Là, je sais pas combien de fenêtres il y a eu. Contre les émotions divines et manières. Parlons à quelqu'un. Devoir. T'as encore eu un... Oh ouais, bah on n'a pas le temps. Il est tard déjà, il est 20h. Mais c'est pas... le cœur de Soulani. D'accord, ok, si tu veux. Oui, bah écoute, moi, qu'est-ce que j'y peux? Tu me répares ça, on est pauvres, nous, hein. Vous pouvez voir, on est à 13 753 Simflouz. C'est bientôt l'anniversaire de Mozzarella. Oui, 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 on fait les adolescents, on fait les 4 adolescents ce soir. On est à 2h de live, 2h02. Nous avons dépassé la limite. Et c'est l'anniversaire de Feta Biental. Bonne nuit, pêche. Des bisous. Ça me tend. Voilà, il est responsable. C'est beau, c'est bien. C'est un plaisir. Mais Jeannette, tu peux aller pisser et manger en fait, le dormir là. Comme même. On garde les ados et l'art pomo pour la semaine pro. En plus, ça arrive. J'en ai marre de ces fenêtres, j'en peux plus. Oh, c'est chiant. Là, ça n'arrête pas ce soir. Et je commence à saturer, sérieusement. Résolution de conflit, empathie, manière, empathie. C'est toujours très bien d'avoir l'empathie. Va te coucher maintenant, Jeannette. T'es fatiguée, tu te couches. Voilà. Non, je vais faire une journée encore. Une journée et c'est fini. Voilà. Une journée pour... Bisous de Jamie. Pourquoi Jamie? Il est pas là, Jamie? Il est là, Jamie? Non, il s'en fout. Il est dans la... Hein? En tout cas, c'est une promotion pour notre petit Vlad. Il était promu au poste de pro de la pêche en haute mer. Il gagnera désormais 8 simflouz de plus par heure, soit 48 simflouz de l'heure au total. Et il a également son bonus espadon à accrocher au mur. Incroyable! Incroyable! Espadon accroché au mur, tout à fait. Prix 0 Simflouz. Waouh! Ouais. C'est exactement la déco qu'il nous manquait. Est-ce qu'ils sont tous putrides, hein? Il n'y a plus de frais là-dedans, hein? Ça fait plusieurs jours, on est d'accord, hein? Ouais. Sinon, on aurait branché du poisson. Ah, je veux dire... Oh.
t'iras pisser et après t'iras te pioter, mon garçon. Au revoir. Magnifique. Une petite journée de plus. On aura fait plus d'une semaine. Enfin, ouais, une semaine. On a repris un lundi, on est mardi. Ce sera une bonne perf, hein? Mais qui peut aimer un poisson mort au mur? C'est les mêmes qui accrochent des têtes de rhino ou je ne sais où. Oh purée. Ah ouais, j'allais le dire. Bien sûr, il n'y a plus rien à bouffer. Maman! Maman, elle a fini. C'est bien, maman, elle va faire un repas gastronomique. Elle va faire quoi? Un cheesecake SimCity sans lactose. Allez. Allez, maman. 4h du matin, c'est l'heure parfaite pour faire à manger. Il y a des bruits ici. Non, 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 il y a ta mère qui va faire à manger. La forêt t'es mort. Regarde la télé. Ah, si tu veux. Tiens, fais le ménage. Quelle déception ce garçon. Quelle déception ce garçon. Et le chiotte est cassé. Qui va le réparer? Et oui, c'est comme d'hab, et toi tu dois pisser, comme d'habitude, c'est n'importe quoi. Et voilà que je suis là. Vraiment, cette salle de bain est trop petite pour Sims dans le foyer. Un seul chat, c'est vraiment pas assez. Je sais, j'aurais dû déjà modifier. Je sais, j'aurais dû déjà modifier. Ah, tu me saoules! Ah non, j'en ai marre, tu me saoules. Arrête avec tes conseils à la noix. Tu me saoules. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu me les casses, en fait. Reprendre cheesecake. Voilà. C'est bon, merde! Ils passent leur temps à demander des trucs, là. Et toi, je t'ai dit non. Oh non, c'est lequel? C'est celui-là. Je sais plus, moi. T'attends? Pas possible, ça. Alors, il n'y avait plus de restes. Maintenant, il y a quand même des restes. Je l'ai pas vu, je pense, surtout. Ah, tu peux mettre des bougies. C'est bien, ça. Eh, tu peux pisser, toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non. Oh, tabarnak. Ouais. Il est parti, nager. À force de foutre dans la flotte tellement il me saoulait, il est parti. Il est devenu accro à la nage. Yabahorn. Hop, hop. Ok, lui c'est bon. Snow, il va manger. Mozza, après, elle ira prendre une douche. Et elle mange, c'est bon. Dernière petite journée pour aujourd'hui. Mais un shot dehors, exactement. Je sais, j'aurais dû déménager. Tu vas pas refaire un gâteau pour les anniversaires? Bah si, hein. Je serais obligée. Parce que l'autre il a tapé dedans. Mais c'est pas possible. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces gosses? Arrête de vouloir bouffer. Lui, je vais l'empailler. Je vais le foutre dans un... entre quatre murs. Il va crever de faim, moi je vous le dis. Hein. Mais c'est quoi ça? Chiant. Pas possible ça. Ouais, vous vous ennuyez et hop, un petit crac-crac. Ah, j'ignorais. Oh, Jamie. Et 922 simflous de plus. Ça, elle va bosser. Ah, elle va bosser. Bossy, bossa. Elle va écrire des critiques. La promo est cochée. Merde. Direct et honnête. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas 100% sûr. Parce que des fois c'est coché, mais des fois ça reste pas. Hein. Donc, Bah vas-y, spoil. Bah je spoil pas, ça m'intéresse. Hein.
C'est ma partie, quand même. Comme même. Ah là là, le jeu qui rame. Ouhou. Ça mange, petit chaton? Ça mange, petit chaton. Mais tu sers pas à rien. Tu sers à tout, tu rigoles, quoi. C'est toi le meilleur. Le best. Il a envie de se faire mousser, là. Allez, les enfants, faites-le mousser, là, dans le chat. Faites mousser Martialou. Il a envie de moussailler, là, un petit peu. Oui, moussailler, ouais, moussailler, ouais. Regardez. Je fais une deuxième salle de bain, c'est pas merveilleux, ça? Il est futant, hein. Pardon, excusez-moi. Et merci, VVV, BFFFF, pour ton follow, bienvenue à toi. Câlin, maman. Ah, oh, oui, t'es pas encore venu aujourd'hui. Mouais. Les abonnés, ils s'inquiètent. Hein. Ils te voient pas arriver. Ils disent, bah alors, Jamie va bien, il est malade. Le jour où tu viendras pas pendant tout un live... Non, c'est arrivé déjà. Ah, tu sors la croquette. Tu sors la croquette, chaton. Tu sais ce qu'on dit des gens qui sentent la croquette? Tu le sais? Bah, ils sentent la croquette. Ouais, je sais, c'est un truc de fou. Moi aussi, je savais pas. Tu me laisses faire ma deuxième salle de bain, Germain? Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça avec la patte qui part là, comme ça. Ah, oh, c'est dur la vie, maman. Maman. Maman, c'est dur la vie, maman. Allez, hop! Nous avons donc maintenant une deuxième salle de bain. Il fut temps. Coucou Anna Morgane. Sur ce petit ASMR ronron. La Freddy n'est pas encore terminée. On est à 3 minutes dans le jeu de savoir. Faire ça, je vais faire une vidéo ASMR avec Jamie. Ce sera la vidéo la plus vue de ma chaîne et du coup je changerai complètement de registre. Je ferai ASMR ronron, ASMR ronron à l'envers, ASMR ronron de dos. Donnez-moi ça. Mais c'est quoi ce gamin? C'est quoi ce gosse? C'est parti. Ah, oh, ça s'est complètement inversé au niveau des votes. Promo ou pas promo? Promo à 93%. 93, ouais. 45 000 points, vous êtes 9. Le plus gros pari, c'est Jaël avec 20 000 points. Toujours pas promotion, 7%. Vous savez, c'est des frileux, là. Hein. C'est histoire de faire une balance, quoi. J'ai envie de dire. 3500 points de balancée. Alors, s'il n'y a pas de... Franchement, s'il n'y a pas de promotion, vous êtes... C'est stonks pour vous. Vous êtes deux. Et le plus gros pari, c'est 3300 points. C'est Vanna Morgane.
Quel courage. Je ne sais pas qui est la deuxième personne, mais elle a balancé moins de 200 points. C'est frileux. Pas juste une vidéo ASMR, tu peux toujours faire ça pour nous. Hein ? Faudrait que je vois. Ça veut dire qu'il faut que je le porte aussi, il faut qu'il accepte de faire câlin comme ça. Puis moi je serai là. Puis Jamie viendra et fera... Attention. Promo, pas promo. C'est maintenant que ça se joue. Je sais plus qui c'était. C'est Vada Morgan, tu vas stonks. Et celui qui a posé 200 points, bah, c'est tout bénef. Hein. Vous allez vous régaler. Ah ouais, ah bah, comme j'ai dit, hein, c'est pas sûr à 100%, ça s'est coché, mais des fois ça s'enlève. Hein. C'est la frustration, ça s'appelle la frustration. C'est... Puis non, tu me saoules. Ah là 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 là. Quel enfer. Alors, vous allez regarder un film révision mouvementée. Vous allez tous regarder les enfants. Et lui, il est toujours en train de bouffer. Il m'énerve. Tu vas regarder la télé aussi. Alors non, parce que je l'ai dit tout de suite que ça voulait pas dire que ça resterait jusqu'au bout. Ça, je vous l'ai dit. J'ai juste dit que ça avait été coché, mais que ça voulait rien dire derrière. Et tu l'as fait quoi pour pas qu'elle ait de promo? Bah, c'est elle qui sait pas travailler correctement, ce génie. Elle veut garder ça pour le prochain live. Quand t'es un excellent, tu travailles dur et c'est dans la poche. Oui, bah j'ai fait autre chose en fait. C'est pour ça, peut-être. Ça valait le coup de tenter, mais je m'attendais à perdre. Mais c'est bien, tu t'es régalé là. T'as récolté je sais pas combien de points. Hein. Oh, si vous étiez que deux, il y avait 45 000 points. Samedi, j'étais à 9 000, aujourd'hui 17 000. 9, je continue d'économiser. J'ai baissé les prix en plus au niveau Hein? C'est peut-être qui fait. Tu sens la croquette? Et lui, est-ce qu'il aime bien le béret? Ça lui fait rien. Oh, qu'il est mignon! Hey! Le béret! Jamie, tu es français. Il faut le béret. Le béret, la baguette et le pinard. Il s'en fout. Lui, il s'en fout. La biquette, ça l'intéresse pas trop. La biquette, c'est pas trop son kiff. Hein. Il est parti. Ils ont déjà regardé le film? C'est une gueubla? Gueubla, bra. Bra. Tu vas manger. Après, tu feras tes devoirs. Toi, tu feras tes devoirs. Toi, tu vas pisser. Et t'as mis où tes devoirs, toi, Jeannette? Toi, tu vas pisser aussi et devoirs. Et voilà, encore. Hey, deux salles de bain. Ça fait quand même du drama. Il est fit et forme, lui, hein. Punaise, hein. Bon, il a un style de merde, mais il est fit et forme.
Bon, toi, tu casses les noix, hein. Je te le dis tout de suite, hein, Jeannette, là. Tu vas écrire... Reprendre l'écriture de volonté de blesser. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tes devoirs à quatre pattes dans la salle de bain. Enfin, à genoux dans la salle de bain. Il est malade, lui. T'as un petit souci dans ta tête, hein. Tu vas prendre une douche rapide et arrête de bouffer, toi, je te jure. Lui, la semaine pro, je le tue. Allez. Il sert plus à rien, Vlad. C'est bon. Je le tue. Il va mourir de faim. Merde. Suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au bout. Ah bah c'est ça ta douche rapide. Bah dis donc. Mais qu'est-ce qu'il fout à quatre pattes tout le temps? Ouais, il aime le fitness. Mais ça va pas bien, hein. Vous êtes pas fini, hein. Pire que Jamie, hein, cette histoire. Devoir terminer, bah, j'espère bien. Et toi, va te coucher, t'es trop moche, en fait. Je préfère me taire sur le montant que j'ai perdu, j'ai mal. C'est le risque, hein. C'est ça, les prédits, hein. 45 752. T'en vas, tranquille, Morgane. T'es bien. T'as bien stonk, ça. Les oreilles de lapin pour une photo de pack pour Jamie, toute une collection. Tes posts font en fureur sur Instagram, mais j'ai pas ça. Oh, ça doit se trouver, non? Faudrait que j'aille voir. Ouais, mais j'ai pas le time, les enfants. Quand est-ce que j'ai le time? Lundi, je peux pas faire avant. J'irai pas ce week-end, ça c'est mort. Ça c'est mortadelle et enterré. Il va se coucher. T'as fait tes devoirs, toi, Jeannette? Ouais, va au lit. Lui, taf. C'est pas grave, hein. Elle vient seulement d'être adulte, hein. Donc en vrai, on n'est pas si à la bourre que ça, hein. Alors, Snow, tu grandis dans combien de temps? 10 jours. Les filles, elles seront adolescentes tout de suite la semaine pro. C'est génial. C'est très bien. Et bah c'est top. Et tu vas aller courir. Faut tuer le temps, elle est pas assez fatiguée. 192. Wow, j'allais dire elle vole. Elle vole et je vole. Je vole. Je suis pour le meurtre violent de Vlad. C'est discret. Je te vois sur Discord, sur le même site que les masques arc-en-ciel. Ah bah, sur AliExpress. Ouais, mais c'est quand C'est Pâques, c'est ça? Je sais même pas quand c'est. Je suis complètement larguée, moi, ce genre de truc. Ah mais, allez, hop, dodo. Et c'est super, on va terminer là-dessus. C'est dommage pour la promotion, je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Et si on se débrouille, peut-être qu'on aura les deux promotions. Parce que la semaine pro, en vrai, ça va être tendu parce qu'on pourra pas passer 10 jours, enfin si peut-être, un méga live avec 10 jours, histoire que Snow devienne un jeune adulte. Possible or not possible. Et ça veut dire que la semaine prochaine, je finis le Note Sobéry. Et on va tuer Vlad, évidemment, parce que je vais le faire crever de faim. Je vais l'enfermer entre quatre murs, là, et puis c'est bon, quoi. Le 18 avril, fin mars. Non, mais je vais... Au pire, j'irai voir dans les magasins autour de chez moi, un truc pour gamin, il y a ça. Ça irait très bien pour Jamie, hein. Le ronron de Pâques, le ronron de Noël, et je lui colle une connerie comme ça sur la tête à chaque fois, et puis voilà. On gardera son bob en souvenir. Il y a moyen que la semaine pro, si on fait un gros live du Note Sobéry, ce soit fini. Est-ce que ça vous donne envie?
Et ben sinon, je vous laisse répondre également sur YouTube dans le commentaire et je verrai bien si on essaye de gérer ça ou si on se garde une petite semaine en plus. En tout cas, ouais, là, c'est bien possible qu'on finisse très rapidement, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé. Je pensais pas. En tout cas, moi, je vais enregistrer et je vais vous laisser la YouTube. Nous, on va relooker les garçons. Je pense qu'il y a du taf. On va essayer de rendre moins pire notre fils. Mais ça, on ne sait pas si on va y arriver. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre Sobérie. Suite et fin. On verra. Allez, ciao, ciao.